Je suis encore éclaté d'hier. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que vous avez passé une bonne soirée. J'ai rajouté une émote Crazy Man. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous kiffez? PTDR, les yeux vont bien? Bah écoute, ils sont cernés, hein. Hey, j'ai la police dans les yeux ou quoi? Déjà le train, mais il y a déjà le train de live. Merci beaucoup pour le subprime encore, Maval. Très bizarre ce pseudo, les refs. Le regard me tabasse, le... Ça me fume aussi. Allez, hop. Vous savez quoi? Pas de blabla. Vous avez tous lu le titre. En fait, je vais pas faire la bad cave. Je vais pas faire la crazy cave. Parce que en vrai, on s'en bat les couilles, tout le monde me connaît. On s'en bat les couilles. Tout le monde sait qui je suis. Eh, hey, y a pas le... Attendez. Et le focus, là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah. Voilà. Allez, on se met. Mon ref. Allez, hein. Hop. Hey, Mimi Mati. Ah. Hop. Ah, hey. Incroyable ça. J'adore ton collier. Merci beaucoup. Amazon. J'ai plus la marque par contre. Je crois que c'est Protest. Non, en fait, je me sers de Discret le Ads. Bon, j'avoue. Mais en fait, je m'en sers parce que ma caméra, si tu veux, quand je fais un focus, en fait, elle met en bleu les contours de là où il y a le focus. Et sur les mains, sur le visage et les mains, ça ne marche pas. Donc du coup, je me sers d'un checker. J'aurais pu le faire avec mon téléphone aussi. Faut que j'enlève la photo de nu de moi en fond d'écran quand même. Allez, hop, on lance Minecraft. Merci beaucoup pour les 100 bits, brutal. Que c'est brutal, ça. Brutal, il a mis 100 coups de bits. Ça va être compliqué ce soir. Hein. Oh, que ça va être compliqué ce soir. Est-ce que vous kiffez la nouvelle émote? Vous avez un sondage? Let's go et le train de live directement, là, voilà. Allez, hop, ça, c'est bon, ça part. Tout le monde suit chouchou. Allez, allez. La 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 la. Merci beaucoup. Putain, what? Vous avez démonté le sondage. Ok, 98%. Bah, vous pouvez dire merci à Lara parce que bah, c'est elle qui l'a fait. Tac. Du coup, maintenant, on a une émote officielle Crazy Man. C'est bien, en vrai. Ok. Let's go. On cherche pas à savoir. Mais pourquoi c'est en double? Je sais pas pourquoi c'est en double ici. Mais c'est pas grave. Hop. Je sais pas pourquoi c'est en double ici. Ok, c'est pas grave. On va directement lancer Minecraft. Bref, tout le monde nous connaît sur Minecraft. Tout le monde sait que je suis Crazy Man. Enfin, tout le monde... Non, mais je veux dire pas Rafale, mais... tout le monde sait que Crazy Man existe. Et en fait, je pense que je vais le faire devenir un habitant comme un autre. Je vais faire une crazy tour. Ça va être une tour très fine au début. Et à la fin, ça va faire un... Ouais, une tour, quoi. Je pense même que je vais mettre un bouton au niveau de la mairie. Et quand quelqu'un appuiera sur le bouton, ça fera... Et en même temps, ça allumera un C qui aura sur la tour. En mode l'appel de Crazy Man, quoi. Raph, t'as fait le costume pour Emma. C'est en train d'être fait. Je sais pas où il en est, l'EP. Je sais pas où il en est. Il faudrait voir. Voilà, voilà. Bref, on part directement sur Minecraft. Bam, 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 bam. J'ai des choses à dire à Actuan en plus. Je dois lui dire que
Chris veut devenir un super méchant. Les Goblini, putain, j'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. Hein. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient, ils voulaient faire de Chris un mec qui allait bider. Et je sais pas si c'est vrai. En fait, tu peux plus trop faire confiance. J'espère que je peux leur faire confiance. Et j'ai annulé le date avec Zafil. Merci beaucoup pour les 500 bits, GM. T'as eu ton badge de la police? Non, mais je vais bientôt l'avoir. C'était quoi le problème avec la secte? J'ai tout fait brûler. Mais quelle idée aussi, hein? Quelle idée de faire une main en... Bon. Attention, hein. Attention. Et commencez pas à me vénère, là. Je vais en prendre un pour taper sur l'autre, là. Hop. Ok, salut, Crazy Town. Oh, yeah, tap. Hop là, le dab des jeunes. Hop là. Alors... Je vais mettre des petits trucs comme ça, tac. Oh, le backflip Jones. Ça, c'est la tectonique. Faire un câlin, ça, c'est mignon. Il y a quoi d'autre en vrai? Main sur le cœur, la tête qui tourne. Marche de pingouin. Marche de pingouin, ça peut être drôle. Naruto Run. Relax allongé. Ah, il est là, relax allongé. Ça, ça peut être drôle aussi. Ok, tac, tac, tac. Nickel. Je mets le chat et let's go. Tac, tac, tac. Attends, il faut que je lise mes messages Insta après. Hop! Comment allez-vous? Salut vous-même. Oh, je suis super bas. Hein. Je suis super bas. Il me faut vraiment un nouveau siège. En fait, ce siège, il est bien, mais il est cassé. J'ai tout cassé chez moi, en fait. J'ai tout de cassé, en fait. Il n'y a rien qui marche. il est cassé, en fait. Je peux plus régler la taille. Le truc, il est mort. Donc, déjà, c'était les roues. Je les ai achetés 11€ et tout ça pour rien. Mais je vais m'en racheter un autre. Hein. Raph, merci, tu me refais mes journées, on t'aime, merci beaucoup. Ben moi, là, je suis bien, moi, je suis dans ma safe place aussi, là. Ok, on va voir directement, on est en rafale, ok. On va voir directement, j'ai enlevé cette carte. On va voir directement Actuan pour lui parler des Goblini, parce que là, y en aura le coquillard. Faut que je bosse mes répliques, hop. C'est les Goblini? Hey, les gobeurs de Blini! Faites qu'ils ont pas entendu. Ouais, yes! Quoi? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? On était en train de parler sur WhatsApp. À quel moment? Je pensais pas qu'il était là. Alors... Ah bah parfait. Yo, rappelez-moi, les gens! Un témoin fiable. Mais... Ah, parce que Raphaël est un témoin fiable, mais pas Mastu. Un peu plus fiable. Quoi? Que Mastu, on va dire. Quoi? J'aime énormément monsieur Mastu, mais bon, il peut être un petit couteau dans le dos de temps en temps. J'ai vu ça dans la loi de Zafil. Carrément. Ouais, il aime bien mettre les couteaux dans le dos des fois. Attends, pardon? Moi? Mais il y a pas plus fiable que moi au village? Oh, arrête de noyer le poisson. Mais vous, ça c'est un citoyen auquel on peut croire. Ouais. Bon, en gros, je vous explique. Oui. Juste pour vous dire que Madame Bloom est libérée. Ah, ok, on va partir. Oula. Attention à vous. Bon, pour vous expliquer, monsieur Mastu, monsieur Rafale, en gros, les Goblini m'ont séquestré et m'ont donné une... Ouah, tout de suite les grands mots. Ah bah, c'est pas vrai. Ok. On a parlé. Bon, on a parlé et à la fin de cette discussion... On s'est mis d'accord sur. On s'est mis d'accord que je leur devais du coup deux lingots de Netherite. C'est mangé. Donc voilà, je devais leur donner aujourd'hui. Et il me fallait au moins deux témoins oculaires pour pas que. C'est les miens, les lingots. Donc vous êtes là, on va pouvoir faire la transaction avec mes amis. Ah, donc je fais partie des témoins oculaires fiables? Oui.
Ouais, super. Enfin, il y a surtout Raphaël qui est là, mais voilà. Donc, un lingot. Il a l'air d'insister sur le fait, quand même. Et deux lingots, comme convenu. Eh ben, nickel. Il y en aura un troisième. Pour toi. Allez, un troisième, parce que jamais 203. Comment ça, un troisième? Comment ça, un troisième, mec? Non, mais je sais pas, je sais pas. Ah non, j'ai les mains vides. Bah, vous voyez bien, j'ai jeté les lingots et j'ai plus rien. J'ai les mains vides. Ah non, mais bah, moi je pensais, c'est pas c'est l'expression jamais 203 et en fait. Ouais, je suis d'accord avec lui. C'est pour bon. Ce que nous a dit. Oh, Attention oh, derrière vous. Ah, les soirées pyjama. Non, 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 non. Ah oui. Tu sais, à propos des, à propos oh, des, à propos êtes, des lingots qu'il nous a donné. Tu sais, il y a une. On a une source qui nous a dit quelque chose. Ah. Oh là. Ah, oui. Vous parlez aux sources d'eau? C'est ouf en vrai. Tu as ouais. Une question? Oui. Comment on fait un lingot de Netherite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a pas de problème. Pour faire un lingot de Netherite, il faut aller dans le Nether, récupérer des ouais. Blocs de Netherite, faire fondre ces blocs de Netherite. Ok. Vous êtes très mal enseigné, monsieur l'agent, pour que et après ça bouquet. Et après ça? Après ça, pouf, il y a un lingot. Bah, en gros, non, ok, je vous explique, Il faut 4 blocs de Netherite chauffer. Voilà, on les fait chauffer et ensuite on les met avec 4 blocs d'or. Donc on les dispose un petit peu comme on veut, on met les 4 lingots, 3 en bas, 1 au-dessus à gauche et les blocs d'or. Et les. Si. J'ai sauvé les miches actuelles. Et ça fait un lingot. Moi j'ai disposé les 3 lingots fondus, enfin les 4 lingots fondus, 3 en bas, 1 à gauche. De la drogue, là. Et blocs d'or, j'ai fait pas. Qui a de la drogue? Bah non, mais c'est. Bah non, moi j'ai rien. On a fait que ça. Attends, qu'est-ce qui vient de tomber? C'est quoi en fait? C'est à qui là? Position, c'est ta poche Steve ou je reste? Hop, hop, hop! Oh, hé hey, Steve! Oui, Steve. Quoi? Mais Steve? Qu'est-ce que tu viens de faire tomber de ta poche là? On a tous vu. La hein. Détention de drogue est. Interdite, t'as acheté ça. Quelle drogue? On t'a vu, hein. Quelle drogue? Avec la chair pétrifiée, on t'a vu. Là, tu viens de la jeter là, pile ici là. Là, ici là, devant toi. Alors, ça n'a rien à voir. Ah bon? J'ai simplement eu affaire à des gens malveillants tout à l'heure. D'accord, et vous avez accepté la drogue, quoi. J'ai vraiment pas eu le temps de m'en débarrasser, c'est tout. Vous avez un nom à me donner? Ok. Un quoi? Vous avez un nom à me donner? Bah, il s'appelait... Monsieur... quelque chose comme ça. Ah, c'est Jay, là? Ah, je sais pas, il faisait se brûler un peu. Ah, ça doit être Jay, hein. Là, je peux poser ça, s'il vous plaît? Poser quoi? Il était déguisé, il était tout vert et tout. Ouais. Pardon? Monsieur Mastu. Oui? Ne jouez pas ça avec moi. Je me suis fait racketter déjà devant deux personnes. J'ai les nerfs à vif là. Donc reposez ce que vous avez ramassé s'il vous plaît. Voilà. Oula. Vous en avez gardé? Il t'en restait dans la main. Ouais, nickel. Okay. Merci. Je vous remercie. Ça sera détruit. Je vais les jeter dans la poubelle du commissariat. Bah du coup, ce qu'on voulait dire. J'en ai plein le cul là. Ils cassent les couilles ces trucs là. En vrai, entre nous, ils viennent d'où ces lingots? Vous juste les lingots. C'est ça, ouais. C'est bon. Mais c'est... On veut savoir. Pour le coup, on peut attester qu'il est allé dans le Nether vu qu'il est mort un nombre incalculable de fois là-bas. Les lingots. Moi, le deal, c'était les lingots. La manière pour avoir les lingots, ça, c'est pas votre non, problème. Non, c'est vrai. Je vous l'accorde. Ok. Voilà. Donc, vous avez vu ce que vous vouliez. Maintenant, je vais vous demander de me laisser tranquille et de ne plus. Tranquille, de toute façon. Lingot là-bas et lingot là-bas aussi. Parce que la prochaine fois, je serai moins tendre. D'accord. Oh, faut que j'arrête. Hein. Bah, on faut que j'arrête. Hein. Vous avez vu, monsieur Mastu? Mais de toute façon, je vois ça. Faut que j'arrête ça. Faut que j'arrête ça. C'est flopesque là. Ah non, c'est triste. Hein. Et y'a que moi qui comprends mes blagues. C'est ça qui est triste. C'est une épée qu'on m'a donnée. Qu'on vous a prêté, ouais. Pas de soucis. Ouais. Pas de soucis, y'a aucun souci. Ah ouais, donc c'est une poubelle. Moi, je m'en débarrasse. Non, mais je vais jeter ça à la poubelle du commissariat, c'est bon. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai pas ça. Donc là, en gros, si on résume ce qui vient de se passer, Steve, tu viens de jeter tes objets. Oui. Et vous, monsieur le chef de la police, figure d'autorité extrême au sein de ce village. Oui, j'ai ramassé ces objets pour les jeter dans la poubelle. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est un très beau geste. Pour garder le président propre. Tout le monde sait quoi. Oui, c'est vrai, c'est un très beau geste. Comme ça, on peut lui donner nos objets. Ok, ouais. Bah j'en profite. Si vous avez des. Oui, bah donnez. Bah, décidément, beaucoup de. Mais wesh. Bah, waouh. Ah, bah c'est bon, je suis plein. Sam, Il va falloir faire des allers-retours alors, monsieur l'agent de police.
Non, bah non, non, ça ira. Ça ira. Parfait. Bon, hop, c'est bon. Évitez de polluer. Ah, je veux bien la tête. Par contre, premier degré, je veux bien la pierre des abîmes, s'il te plaît. Et ben voilà. Bon, bah, j'ai encore un peu de place. C'est la brocante là ? Bah oui, apparemment. Vous en voulez beaucoup, Rafale ? Ouais, ça devrait suffire, mais si jamais, allez-y. Hein. Ouais, bah, monsieur l'agent, je vous laisse jeter tous ces déchets, moi. Ouais, pas de problème. Je retourne ouais. à mes occupations. Monsieur Mastu. Oui ? Vous voulez voir la poubelle en question ? Oui, je suis curieux de voir, ouais. C'est très drôle. Ah oui, c'est vrai ? Bah, attendez, vous m'avez hypé, là. Je suis trop pressé de voir. Non, mais c'est pas grand-chose non plus, hein. Mais dans les circonstances actuelles, c'est drôle. Je pensais que vous alliez aller chez moi, j'ai eu peur. Non, c'est une vraie poubelle. Ok. Hop. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis un livre d'or dans le commissariat, si jamais des personnes veulent laisser un petit message. J'ai vu qu'il y a Rafale qui a laissé un message, enfin plus une blague. Si le livre d'or le réveillait pas. Rafale le jeune. Voilà. J'avais oublié que j'avais mis ça. Et ça va droit chez les Gobini. C'est devant leur porte d'entrée. En fait. C'est super drôle, monsieur l'agent. Là, je vous reconnais. Là, j'aime bien. Attendez, ben oui. J'ai des graines. Ah ben jetez ce que vous avez acheté. Et ben je me permets aussi alors puisqu'on y est. Hop, faites-vous plaisir. Bah je pense que c'est bon. Non, et alors par contre. Pardon. Non, je crois qu'ils viennent de voir. Oups. Attendez, ils viennent de voir. Bah parce que c'est vraiment devant leur porte d'entrée. Ils arrivent. Faites comme si on était pas là. Je suis pas là. On voit. Venez, vous avez mis Mastu en prison. Venez. Vite. Monsieur. En prison. Allez, toi, Théo. Non, c'est toi qui vas aller en prison, Rafale, c'est bon. Mais comment ça ? Mais c'est lui qui a fait la merde. Il y a du gaz dans l'air là. Ouais, Rafale là a commencé à faire n'importe quoi, je vais l'enfermer. Non. Bah si. Vous me trouverez, c'est ce que j'allais dire. Vous m'avez trouvé si vite. Il a trouvé si vite. J'étais là, vous me trouverez jamais. Il était Qu'est-ce que c'est là. Ça, hein c'est quoi ça c'est Parce quoi que vous venez de me donner dans la main, bah, je vais le jeter à la poubelle. Oh. Bah jette-le. Elle est pratique, ce plonge, quand même. Ouais, elle est pas mal, ça permet un peu. Elle est gobelini, libérez-moi. C'est vraiment pratique, ce poubelle, quand même. Y'a de la lave, en bas ? Non, je crois pas, mais bon, moi, c'est loin de chez moi, quoi. Ok. Bah, tant mieux. Ouais. J'ai envie de dire. Oui. J'ai même pas eu le temps de dire jamais, oui. Bref, c'est ça, acheter aussi. Ouais, jeter. Ah, oh bah, allez-y. Moi, je le veux bien. Ah, bah. Appelez. Attendez, mais. Elle est gobelini. Un bisou, et vous me libérez. Oula. C'est qui parle ? C'est Raphaël. Yo. Salut. Vous avez des choses achetées, vous, ici, là ? Monsieur l'agent, j'ai vu que vous aviez pas... Je crois oui. que vous avez pas acheté la drogue que vous avez saisie. Ah, oui, ça, c'est parce que... la poubelle, ça suffit pas, la drogue, on la coûte. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Toujours bonne, bête, encore, quoi, non ? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est un ajout assez récent. Ouais. C'est vrai que bah, souvent, on a pas mal d'objets... Monsieur l'agent, vous avez de la drogue dans vos coffres ? Non. Hop. Bah, ah non, mais c'est de la drogue saisie du village. Ça, c'est des objets c'est saisis, ça. Bah, décidément, mais attendez, c'est des objets que j'ai jetés il y a pas longtemps. Pas à nous, monsieur l'agent, pas à nous. Ah si, je reconnais, c'est... Bon, la drogue qui est là, si, c'est de la drogue qui a été saisie. Mais bah, faut bien la stocker quelque part avant de la brûler, hein. Ah bah oui. Par contre, les blocs, j'étais ah, oui, sûr et certain de les avoir jetés il y a quelques secondes. Bah, ça va être jeter la poubelle, hein. Ouais, bah, je vais les rejeter. Je crois que j'en ai vu à l'occasion. Du coup, ouais. Merci. On a pas pu en prison. Hop. Il y a de la drogue dans le coffre de l'agent. Eh bah oui, c'est ce qu'on a vu, c'est pas dans. Non, dans son coffre personnel. J'ai mal écrit Twitter, non ? C'est pas avec ça. Un E, Twitter. C'est avec un I ? À l'étage dans sa chambre. Oui ? Mais pourquoi il a ça ? Je vous dérange, monsieur. Attendez, je sais plus. Oui, en fait, comment je me baladais, je vais essayer d'explorer un petit peu le commissariat. Et il y a quoi là ? Tombé sur. Vous avez fouillé dans mon coffre. Twitter, oui, voilà, je me suis trompé. J'ai confondu avec tweeter. Oh. Décidément, mais. Comme par hasard, c'est le dernier objet qui a été ajouté dans mon coffre. Ah,
Alors non, j'y suis pas. À quoi vous essayez de m'incriminer, j'irai vous. Bah, je sais pas, c'est bizarre quoi qu'il soit. Non, je n'y suis pour rien. Alors là, je vous jure sur tout le village de Crazy Town, je n'y suis pour rien. De quoi ? Je n'y suis pour rien. Ouais. C'est votre consommation personnelle, monsieur l'agent. Oula. Il y a un gros gourmand là-bas. Quoi ? Ok, non, je sais pas, parce que la drogue a disparu du coffre. Il y a de la drogue partout. Il y a de la drogue partout. Non, mais je sais pas où elle est partie, les gars, montrez, j'y vais. Ouais, salut, c'est bon. A plus, les gobelins. Ah, ça s'en va si vite. Bah, il était pressé, il a des trucs à faire. Ouais, bah oui, je vois ça, il est parti vraiment en express, hein. Tu te remets sur le droit chemin, tu te remets sur les rails. Bah, je suis déjà sur le droit chemin, je me pose juste. Je profite un petit peu de l'espace, qu'est-ce quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je parlais une fois de Crazy Town et t'es devenu super drôle. Boom, Jets. Boom, Big Dab. J'ai cru autre chose. J'ai cru que t'allais dire autre chose. Là, comment ça? J'ai si peur. Dire quoi? Ah, rien, rien, mon ref. Rien, rien, mon ref. Non, rien, mon ref. Dab. Arrêtez là, sinon je passe en baquet à mode. Faites gaffe. Oh non, 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 non. Oh non, non, mais ça ira. Raphaël, j'aimerais bien que vous m'appreniez à être aussi classe que vous une fois. C'est. Bah écoutez, si vous avez un Alcatel, je veux bien votre numéro. J'ai pas un Alcatel, mais j'ai un cellulaire si ça vous va. Ah ouais, un cellulaire, ouais. Avec l'antenne au-dessus? Non. Ah non, 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 un téléphone actuel quoi. Et comment vous faites? Ben. C'est tactile, j'utilise, enfin, je fais tout pareil quoi, mais en mieux. Pff, tactile, le mec est dans turfu le mec. Eh, hey, t'as des voitures volantes chez toi ou quoi? Non. Ah, Edouard, n'hésitez pas à compléter le livre d'or hein, si vous avez des choses à dire. Parce que c'est Edouard, je dois parler à Kuen là. C'est fait pour. Ah, vous êtes sûr? Attendez, c'est en Crazy Man ou en Rafale que je dois aller parler à Kuen? Ah oui, mais pas forcément bien, c'est pour ça. Donc, Ah, mais dites ce que vous avez sur le cœur, hein, c'est fait pour. C'est, vous avez non, c'est en Crazy Man. C'est en Crazy Man, il faut que j'aille parler à. Vous mettez vraiment votre. Les avis. C'est en Crazy Man, ouais. Les avis se sont laissés. D'accord. J'aime tes malaises. Bah, j'y réfléchirai. Mon personnage après. Alors n'hésitez pas à parler, hein, je vais mettre un peu de temps, je suis inspiré. Ah, vous avez c'est beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Quelqu'un peut prendre le livre avant? Peut-être. Non. Waouh. Wow, change-toi à l'étage. Non. J'ai hâte de voir ce qui va être écrit. Bah, moi aussi. Tiens, ben moi je vous laisse, messieurs. Je vous laisse. Ouais. Au revoir. Il est si drôle. Mais il est amoureux de moi ou quoi? Il est amoureux de moi ou quoi? Comment ça se fait que maintenant il me trouve drôle? Yo, Steve, le boss, ça dame ici là ou quoi? Tu me donnes de la drogue? Non, je m'en débarrasse. D'accord. Ah, ok, parce que bah, du coup, vous l'aviez en vous quoi. Désolé, j'ai paniqué, je suis désolé. Hop, excusez-moi, j'aimerais jeter de la drogue que va me passer Steve à la poubelle. Ah bah tiens, il est en train d'en jeter en masse en fait. Oula, oh, bah dis donc Steve. Mais oh, mais vous la fabriquez ou quoi? Ça va pas? On n'est pas dans ça nous. Ah bah non. Bah ça, allez, non. Mal. Ah mais non mais frère. Deux aussi, mais ouais. T'en avais des choses à dire. Donc là sous les yeux d'un agent. Ça fait du bien. Je ah bah oui, ça fait du bien. C'était autant. Mais monsieur l'agent, je viens me débarrasser de ce qu'on a saisi chez Michou. Mais vous êtes quand même au commissariat. Ah, chez Michou? Oui. Oula, c'est le juge quand même. Ah, c'est le juge en plus. Ah, c'est le juge. Wow. Ah, Michou, c'est le juge de Crazy Town. On apprend tous les jours. Bon, alors, refermons ça. Et bah, par où m'en voler. J'adore lancer des petits trucs que je sais en tant que Crazy Man. Voilà. Mais tu sais, comme si je le savais pas et que j'étais débile, tu vois. Ça me fume. Ouais, je pense que là, au moins, vous en avez plus de la drogue, monsieur le. Ouais. Ce chef de la police. Ah, non, pas votre Michel, apparemment, votre Mich. Non, mais ils trollent. Hein. Ça vient de chez eux. Là. Toujours propre sur moi. Bon, bah parfait. Je suis clean. Ouais, bah tout clean. Hein.
Ils ont parlé. C'est livre d'or si vous avez un message à adresser au commissariat ou des petites choses à dire, vous pouvez. Faites-vous plaisir. J'ai le droit et ce sera pas supprimé par. Non, ça ne sera pas. Agent malencontreusement. Non. Vous pouvez... Ok, bon, il faut que je me truc en Crazy Man. D'ailleurs, la tour entière, je pense que je vais la construire en étant Crazy. J'avais oublié. En étant Crazy Man, c'est bizarre, hein, les sculptures ici. Ça doit être un crop circle. Il doit y avoir des ovnis dans le village, je pense. Une crazy beat. Ok. Cette pierre-là, l'ardoise des abîmes, on va s'en servir pour faire la crazy tour. La crazy tour se trouvera ici, là. Derrière chez Sam, dans le creux entre la mairie... Ouais, là. Ici, là. Ok ? Et elle va monter à quand même un peu plus haut que le drapeau, là. Et en gros, ce sera la tour des crazy. Genre, il y aura crazy men, du coup. Repère officiel. Et il y aura aussi crazy woman. Mais je sais pas si elle joue aujourd'hui, Emma. Tu vas le faire quand ? Là, ce soir, en tout cas. Enfin, dans ce live. On va commencer. Je me suis dit, au pire, pourquoi nous cacher ? Ça sert à rien, tout le monde nous connaît, donc on s'en bat les couilles. La secte, c'est fini ? Non, on doit recommencer la dernière salle. Ça fait un peu chier, je t'avoue. C'est pour ça que là, j'avance mon RP sur... C'est quoi, ça ? Mais pourquoi j'ai autant de livres chez moi, là ? Bonjour, Emma. Brûle cette merde. Il faut que je la brûle. Où je peux la brûler ? Je sais pas ! Je peux pas te détruire ? Fais 4 tours autour de ta maison et mets des cadres. Ah, t'es souhaité, mon ref. Mais je suis avec toi. Hein. Je suis avec toi, force à toi, mec. L'ISTP. Mais c'était le formulaire que j'avais fait pour que Emma soit recrutée en tant que Crazy Woman. Ok. Il va falloir me faire une armure en diamant aussi. Hein. En azurite entière, je pense. Hein. Casque y compris. Parce que vraiment, en fait, les gens attaquent. En fait, on aurait dû tous être en fer, je pense. Il ne devrait pas y avoir de netherite, de diamant, de bitule. Si, diamant, mais pas d'enchantement, tu vois. Tac. Ok. Il me faut une tailleuse de pierre que j'ai sûrement en bas. J'ai pas mon épée en diamant. En fait, j'ai rien, là. Ah oui, j'avais tout laissé dans la shulkerbox. Shulkerbox. Hop. Ça, je vais prendre. Hop. Et c'est tout. C'est tout. Hop. Tac. Ok. Je vais vite fait aller dans la Crazy Cave. Attendez, je suis presque sûr que ça n'était pas ça. Hein. Ok, bon. En même temps, tu peux rien de cacher de spé ici, mais bon. Tac. Hop là. Ok. Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé ici. Hein. Waouh. Ouais, je vais la faire comme ça, je pense. En fait... La moto, mais c'est quoi ce délire là ? Actuel un tweet en anonyme, je déteste les gobelins, j'espère qu'un jour les forces de l'ordre mettront la main sur eux. Like. Euh...
Tac. Il me faut quoi ? J'avais dit qu'il me fallait quoi ? Ah oui, une tailleuse. Une tailleuse de pierre. Qui est là. Mais on m'a encore volé ma tailleuse de pierre, mais je vais péter un plomb ! Mais c'est... Mais pourquoi voler une tailleuse de pierre ? Je comprends pas l'idée, là. Putain, mais c'est fou ! Je comprends pas. Je ne comprends pas les rêves. Je. Taïs de. Ouah, frère, il n'y a plus d'effort. Taïs de pipe. Elle est en haut, non ? Non, je ne l'ai pas vue. Non. Non, non, non. Ok. Il faut vraiment des lumières ici, là. Ça suffit, là, les monstres. Hop, 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 hop. Ok, je vais me changer, je vais aller voir Actuan en Crazy Man. Crazy Man. Ok. Il faut que je lui parle. Hop. On est 2100 déjà, what the fuck. Crazy bouclier. C'est vrai qu'on doit... Hop. Je vous fais pas pleinement confiance, comme je fais confiance à un Crazy Man ou autre. Hop, bah tiens, en parlant du loup. En parlant du loup. En parlant du loup. Bah alors, monsieur Crazy Man ? Vous pouvez entrer, Crazy Man, non ? Vous allez bien ? Y'a plus de musique. Bien, vous ? Bien, je m'attendais à être plus discret. Bon, vous avez, on a tourné la tête. Monsieur le chef de la police est en train de parler de vous et vous êtes arrivé. D'accord. Comment ça, vous étiez en train de parler de moi ? En bien, en bien. Ah, ok. Je disais à monsieur Massu que... On vous a vu, les refs. On vous a vu. J'arrive. Mais restez cachés, restez cachés. Chrisman, je refuse de vous parler tant que vous n'avez pas mis votre musique d'intro. Oula, oula, non. Ah, c'est pas la bonne. Hop, pli-plat-poum. Eh ouais. Ambiance soirée Gobini, hein. C'est-à-dire Non, mais les soirées pyjama... On a déjà parlé de ça, Chuan. Bah oui, on a déjà parlé. Ouais, ça, j'ai mal passé, hein. Non, non, je suis désolé. Comme quoi, ça s'enfile. Alors, je vous... Je sais pas, Chuan, je peux lui répondre, je pense. Ouais. Ne parlez plus de cette histoire, ouais, c'est une fake news. Ah, d'accord. C'est faux, c'est faux. Ok, ok. T'avais dit que je faisais pas déjà à ceux qui propageaient la nouvelle. Voilà, mais c'est bon, il a pas propagé parce que là on était tous au courant. Non, moi je demandais des informations, messieurs. Voilà, là je lui ai dit, il s'est excusé et il arrête d'en parler. Ouais, dis-moi bien. Ok, ok. Dis-moi les termes barbus. Pardon ? Pourquoi vous êtes de retour au commissariat ? Je voulais savoir si on pouvait s'inscrire au cours de théâtre. Oula, mais c'est pas le bon endroit là. Bah, c'est Crazy Man qui nous en avait parlé. Mais les cours de théâtre, c'est fini depuis un moment. Il y a des cours de théâtre, vous en faites plus ? Ben, Enfin, oui, c'était pas au commissariat, on pouvait le faire un peu partout, mais oui, quand on s'entraînait à se battre, etc., quoi. Attends, vous apprenez à vous battre avec les menottes, avec les lits, etc. Je sais pas, toi, vous faites des cours de théâtre pour apprendre à enfiler des menottes ? Mais ta gueule, Actuan ! Mais. Je comprends pas. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais vous nous avez menti, Crazy Man ? Non, non, ben non, non, je sais pas pourquoi il fait le nier, mais... Ah, ça me revient, les cours de théâtre ! Ah bah... Ok, ah là là là, j'avais pas compris. C'est bon, ça me revient. Désolé, mais c'est parce que moi, je suis parti une journée, là, j'étais en formation et tout, et j'ai... Ok, 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 c'est bon.
Ça me revient. Les cours de théâtre, oui, pour apprendre à se battre, à passer les notes, tout ça. Oui, oui. Et on peut s'inscrire, non ? Oui, oui, les inscriptions sont encore ouvertes. Ah bah et super. C'est où qu'on en parle juste directement avec vous ? Je viens de dire que c'était ouais, fermé, oui, l'autre. Oui, ils sont toujours ouvertes. Okay, c'est nickel, les gars, vous pouvez vous inscrire. Monsieur Steve et monsieur Dormiskin, vous vous inscrivez pour les cours de théâtre, c'est ça ? Ouais, complètement, ouais. Ok, bah parfait. Eh ben, je prends note. Attendez, je vais chercher mon calepin. Oh, calepin. Ça, c'est un mot de John, ça. Je vais déjà prendre okay, ça. Alors, il est très très vieux, stage. Oh, bah, il est très vieux, ce mot. Ah oui, j'ai 40 ans. Ah oui, quand même. Mais écrit dans un livre. Monsieur l'agent, vous voudriez pas... des gens pour vous aider au sein de la brigade de police, parce que tout seul ça doit pas être difficile. Enfin, ça doit pas être facile, pardon. Bah, non, je suis là, ça merci passe, beaucoup. Hein. Ça se passe bien, mais j'ai ah non, mais je veux dire, dans la brigade de police. Bah non, mais grave cool, vous m'avez chié dessus, donc non. C'est pas grave. Non, mais j'ai déjà pas parti vraiment de la brigade de la police. Vous êtes à part, vous êtes un héros. Merci, ça me fait plaisir. C'est plus ça comme ça que je le vois en fait. Et non, non, mais il écrit un roman, je crois, il est parti. Avec un héros, donc c'est amplement suffisant. Ok. Puis en soi, Crazy Town, c'est une ville relativement calme, il n'y a pas grand chose. Avec un tournevis lorsque je lui ai demandé. Il n'y a pas énormément de problèmes. S'il avait une couchette. On croit ça, une couette. Mais... je déconseille fortement. Oui, oui, c'est le métier du poisson dans la mare. Action. C'est quel poisson vous parlez objectivement, la revigorance du village rare sont les gens originaux et droits. C'est le métier du poisson qui dort dans la mare. C'est pas ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Mais vous êtes venu faire un discours ? Vous avez les mains derrière le dos et tout là ? Bah non, on est juste des. Non, du tout, ça me gratte les fesses, moi. Ok, autant pour moi. Tu disais quoi, du coup, de voir, vous êtes des personnes civilisées ? Oui, voilà, on est des gentlemen, enfin, des hommes d'affaires. Mmh, ok. J'allais mettre mastuleux. Ouais, d'où la cravate et la tenue. Exactement. Complètement. Donc, toujours propre sur eux. Mais ça se voit qu'ils ont rien à cacher. Ah bah oui. Bah, bien sûr qu'on a rien à cacher. Ah. Oh. C'est mes étirements. Ah pardon. Ah, il faut hein, pour se tel cap. Voilà, c'est pas si ça me gratte encore la gorge. Ah ça y est, vous avez ça me gratte beaucoup la gorge. Ah, vous avez fini. Pardon ? Il y a Vous venez de poser le livre ? Ah bah non, enfin ça fait un moment. Actuan, c'est franchement complètement la revigorance du village. Rares sont les gens originaux et droits. Maintenant, la paix se propage et c'est très utile pour Crazy Town. Bravo. Je suis pas sûr de la fin. C'est ouais, la fin, par contre, j'ai l'impression que quelqu'un a rajouté parce que j'ai absolument pas signé ça, quoi. Non, ça va, Steve, ça va. Merci, monsieur Mathieu. Eh ben écoutez, avec plaisir, monsieur l'agent, voilà, c'est des mots sincères. Attendez, bougez pas. Il en faut plus des gens qui croient en la justice. C'est quoi ? Donc je vous remercie pour ce message, monsieur Mathieu. C'est une énorme bête. Écoutez, avec plaisir. Merci à vous pour la sécurité que vous nous apportez et puis vive monsieur l'agent de sécurité. Ouais. Ouais, Oh, waouh, vous êtes très investi dans la ville. Ouah. Ah, bah, c'est pas dans la ville, c'est putain. Je me jetterai ça aussi, monsieur l'agent. Ouais, décidément, c'est bon. Et c'est bon. Parfait. Vous prenez vos merdes, c'est fini. Oh. Waouh. Quel charisme. Oui. Oh. Vous avez bien parlé, monsieur l'agent. Vous avez bien parlé, bon, juste ils vous ont rejeté les déchets derrière, mais vous avez bien parlé en vrai. Ah, j'en peux plus d'eux. Je n'en peux plus. Le tweet anonyme, c'était moi. Je me suis douté, monsieur l'agent, c'est pour ça que je suis venu vous voir. La poubelle, au pire, Chris, vous avez la poubelle. Non, ils sont plus malins que moi. La poubelle, ils l'ont reliée à mon coffre. Tout ce qu'on jette dans la poubelle retourne dans le coffre. Ils ont fait un système hydraulique. Regardez, tout ce que j'ai acheté, tout ce qui était dans la poubelle et retourne dans mon coffre. J'en peux plus. Oh putain. C'est Crazy Man, ça vous fait bien rire. Oui. Mais comment ils ont fait leur système ? Franchement, ça me... Ouais, c'est fascinant. Et j'avais pas vu, mais vous avez une sacrée belle vue ici, monsieur l'agent. Ouais, bah j'ai une vue sur la faille, et apparemment, c'est l'antre des Goblini. Mm-hmm. Yo. Oh. Ah, yo. Oh, bah tiens. Tiens. Bonjour, Steve. Bah, salut, les gars. Ça va ? Décidément. Décidément, ouais. Les grands esprits se rencontrent à chaque fois. Ouais, j'étais en train ça de remonter trop la... On dirait que c'est un mur, en fait. Ah. Hydraulique, ouais, en gros... Il y a de l'eau, après l'item passe dans l'eau, ça amène à un coffre, après ça s'est relié par plein d'entonnoirs. Ah non, bah non, ça sera embêtant. Bah déjà là, il manquait un bout de verre, là j'ai... Mais je les avais vu faire, en vrai je le savais, mais HRP, donc j'ai rien dit, je préférais rien dire. Complètement. Bon,
Je vous laisse alors. Hein. Bah oui, laissez-moi. Les gars, j'en ai ma claque. Tout le temps, regardez, ils sont encore là, je mais me sens épié. Mais sortez, wesh. Messieurs, je vous. Alors, je fais pas partie de la police, mais si je peux me permettre, ça frise le harcèlement. Il y a des menottes là. Il y a des menottes qui se perdent. Ça frise le harcèlement, effectivement. Vous feuillez le livre, monsieur l'agent ? Ah, ok. Ouais, je regarde un peu. Le problème, c'est que je suis impuissant face à eux. Et écoutez, ils sont trop nombreux, trop puissants, trop malins. Et je ne peux pas me permettre d'en menoter un et de l'embarquer parce que j'aurais des grands problèmes. Ils m'ont déjà séquestré. Et si. Ils vous ont séquestré ? Ils m'ont déjà séquestré, ils m'ont enfermé, ils m'ont frappé, ils m'ont passé à tabac et ils m'ont raquetté. C'est pour ça que j'en devais deux lingots de Nézerine. Monsieur l'agent, il va falloir vous faire respecter un peu plus que ça quand même. Oui, mais j'ai besoin de renfort, je suis seul contre 4, contre un groupe de 4 personnes puissantes et organisées. Comment il a fait, wesh ? C'est un super héros. Ouais, bah vous avez vu hein, le flop qu'il a fait lors de la prise d'otage, bon, c'est vrai. Putain, trop bizarre, j'étais à côté des murs et j'ai entendu un bail. Ouais. Vous avez entendu quoi, Crazyman ? Ouais, comme quoi, prise de la Bastille, là, je sais pas quoi, enfin bref. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites alors, monsieur Crazyman, là, aujourd'hui, vous avez des affaires, des... Bah là, je viens juste de voir qu'il y avait encore Douar sur le côté, donc je l'ai dégagé. Parce que moi au moins je dégage la mafia, hein. Ouais, je sais, vous faites bien le travail, Crazyman. Vous êtes parfait, oui. Non, je par contre, il faut qu'on parle. Vous êtes un super héros, je suis un super zéro, oui. Par contre, Théo, la discrétion masculine, s'il te plaît. Attends, je ferme leur système là, parce que j'en peux plus. J'entends de l'eau partout, j'en peux plus. Et si on les détruisait de l'intérieur? Crazyman, emmenez-moi au 7ème ciel. Les gars. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eux. Ils arrivent. Mais wesh, il m'a lancé une flèche, mais je vais. Mais elles viennent d'où les flèches? Mais c'est lui. C'est eux qui nous ont tiré dessus à l'arc. Non mais là, y a plus de respect. Non, je suis désolé là. Ça va pas. Tu peux pas faire ça, Steve. Excusez-moi, c'est vous là qui avez lancé la flèche? Ah bah. Alors, je pense qu'il y a un squelette dans le coin. Non. Bah, il me semble que c'est Steve vu que tu viens de le dire. Genre que ça se faisait pas. Mais non, mais je lui disais ça se faisait pas. Non, de je disais ça se faisait pas de jeter les objets aux les déchets, à la comme frère, là-haut. Frère, la flèche est vraiment pile dans ton axe là. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. C'est un peu plus par là, je crois. Mais tu sais que Gobini ou pas, les menottes elles vont servir. Hein. Ouais, vous me faites pas peur, ok là, là. Bon, ouais, Steve, tu gères ce que t'as à gérer. Allez-y, monsieur l'agent, faites comme vous m'avez dit en haut là, quand ils étaient loin de nous. Dites-leur bien. Ouais. Les gobeurs de Blini, vous arrêtez. Non, bah là, ça va, tu nous insultes. Oui, pardon. Je t'ai rien demandé, moi. Oui, bon, vous arrêtez de nous embêter. Ouais. S'il ok, leur bien, on peut y aller, c'est bon. Oui, vous pouvez circuler. Ok, bah. Merci. Ouais, allez par là-bas là. Bah, on et va... je vous revois plus, hein. On veut. Ouais, vous allez où vous voulez. Nous revoir, on est dans la même ville, monsieur l'agent. Bah oui. Ouais, mais voilà. Okay, mais pas dans les mêmes cœurs. C'est-à-dire dans les mêmes cœurs. Ouais. Bonne journée. C'est qu'on vous aime pas en fait, c'était la blague. Bastille. On vous aime pas. Ouais. Le même cœur parce qu'on vous aime pas. J'ai bombé le torse là, j'ai dit. Hein. Ah ouais, là c'était pas mal hein. J'ai eu des frissons. Ouais. Let's go. Ah, ouais, tout est moustillé là. Parce que c'est pas facile, franchement. Quand vous leur avez dit, eh oh, c'est incroyable. Ouais, et là ouais, je l'ai dit hein. Eh mais vous faites la paire vous deux hein. Vous m'avez mis les frissons là. Hein. Crazyman qui s'élance pour aller les arrêter. Plus vous, monsieur l'agent qui arrive derrière et qui leur mettait une petite correction là, ça m'a fait. Eh oui. Les poils, ils sont hérissés. Il faut parce que tu si on fait pas de choses comme ça, monsieur Bastu, si des mesures ne sont pas prises, après, ben, ils s'étalent trop, ils prennent trop la confiance. Donc voilà, il faut tout de suite leur couper l'herbe sous le pied. Bah écoutez, là, vous parlez, vous dites les choses franchement et ça parle bien français quoi. Et ça, j'aime bien. Ouais. Merci, monsieur Bastu. Ça parle fort, hein. Ça parle fort sur nous là. Ils peuvent parler sur nous, je m'en fiche. Et du coup, je me disais, à moins que Mastu Poucave, et si on les détruisait de dedans? Et s'il y en avait un de nous, bon, pas moi, qui du coup, ce serait débile. Gobine. Exactement. On prend quelqu'un. Je suis très chaud. Bah ouais, Mastu, ça serait le... Ouais, mais c'est celui qu'on a moins confiance. Bah ouais, mais le problème, c'est que moi, jamais de la vie, ils vont me faire confiance, ils vont me faire rejoindre leur réseau. Et vous, c'est pareil, Crazyman, donc il n'y a que Mastu. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est pas con. Ouais. C'est le rôle parfait. Hein.
Mastu, depuis le début, il fait... Peut-être que depuis le début, Mastu, c'est un grand allié de la police, et depuis le début, vous faites exprès de faire un double jeu pour pouvoir... Mais vous avez vu le message que je vous ai mis dans le livre ? Oui, mais bien sûr que je suis un grand allié de la police. Et puis même, vous pourrez vous servir du moment où vous avez voulu tuer Crazy Wolf en leur donnant 3 diamants. Ça, c'est du passé, ça, c'est du passé. Ouais, c'est... ouais. Eh ben, tu pourras t'en servir pour rentrer dans leur club. Oui, normal. c'est vrai. Je vous fais confiance, monsieur Mastu, rejoignez les Gobini. Et vous serez notre informateur. Ok, très bien. Grâce à vous, on va Foxy, en fait, personne ne sait qu'elle est dans la police. Il n'y a que Akian et moi. Comment on va sauver Crazy Town. Je le dis à voix haute, on va libérer Crazy Town. On va redorer le blason de la police ensemble. Voilà, redorons le blason de la police ensemble. Oh, mais ils reviennent. Bien sûr que si, ils t'aiment. Les gars. Oui. On est d'accord que vous adorez Dwarmas. Oui. Mais oui, on l'aime bien. Ben voilà, Dwarmas, pourquoi tu fais dans tous tes états ? Voilà. Il a dit tout à l'heure qu'il nous aimait pas. Crazy. Bah moi, en tout cas, je vous aime bien. Ben voilà, tu vois, Dwarmas. Tu disais, il y a que les gens qui ont la peau verte qui nous aiment bien. Ben, tu vois, Dwarmas. Les autres qui ont pas la peau verte, ils nous aiment pas. Les autres, c'était bien. Bah les autres, tu les pas verts, quoi. Bah moi, je suis pas vert, je vous aime bien. Bah oui, mais bah ça fait un. Bah c'est bien un, déjà. C'est mieux que rien. Bah voilà. Et puis je suis sûr que je suis pas le seul. Mais on dirait il y en a. C'est ce que je te disais dans si. Oui, mais on dirait il y en a dans la ville, ils sont racistes. Quoi ? Ah, vous pensez ? Il y a un racisme anti-vert ? Alors, moi, si je puis me permettre, je pense que c'est en effet le cas. Vous avez des Sans noms ? Sans vouloir avez... citer de noms comme Crazy Man, Actuan. Mais quoi ? Je pense qu'il y a des gens qui sont anti-vert, voilà. Et qui vous dit que je suis pas vert sous mon masque ? Attends, vous êtes en train de me traiter de raciste anti-vert là ? Enlevez-le si vous êtes pas raciste, Crazy Man. Oh, mais on va trop vite entre nous là, Steve le boss. Ouais, enlevez votre masque, Crazy Man. Gourmand là. On peut vous inviter à la soirée pyjama si vous voulez. Ah, moi, je suis vraiment curieux de voir ce qui se passe là-bas. Hein. Tu vois, il veut participer à la soirée pyjama d'Ormas. Bah, attendez, moi aussi, je veux faire la soirée pyjama avec vous là. Mais les gars, c'est une soirée pyjama, bien, moi je suis trop chaud. Assez tôt, Mastu. Mais Mastu, c'est une soirée BDSM. Ah ! Y'a des chaînes. Non, mais non, mais non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Tu vois ? Encore de la diffamation. Mais non, mais c'est pas la diffamation. T'es raciste. Non ! Ah ouais, c'est un putain de streamer ça, t'es raciste. Ah oui, oui. Oh putain de merde. Messieurs les Gobini, moi je suis très chaud, je m'arrête pas aux apparences, je suis très chaud de tester ce dont vous me parlez là. La soirée pyjama. Ok. Et ben allez avec eux. Voilà, bah allez avec eux. Très bien, et bien c'est parti. Ouais, c'est okay. Je vous suis. Bah venez. Enfin un qui nous aime bien. Suceur, oh là là. Bah. Regardez-le, un vrai goblini, hein. Ça gobe, hein, ça goblini, hein. 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 Ok, ça c'est fait. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Ouais, bah ça s'est finalement bien passé. Hein. Ouais. Il est parti. Ouais, je pense qu'il a la chat qui va réussir. Dans à les bureaux, est-ce qu'on va sur le toit ou pas ? Non, mais les bureaux, c'est ça. C'est en gros, en dessous des bureaux, ils ont une salle. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est leur salle BDSM, là. Et vous pensez. Parce que là, je les vois pas aller dedans. Si, j'ai parlé à Steve. Eh bah, on peut aller espionner, hein. Mais moi, j'ai parlé à Steve. Oui, il m'a dit qu'il faisait des soirées pyjama entre Gobini dedans. Ok. Je vous emmène ? Ouais, allez-y. Ah ouais, on les voit. Dommage, j'aurais bien voulu. Comment ? J'aurais bien voulu écouter. Ouais, moi aussi. Pierre Crazy Man, on descend, ouais. On écoute. S'ils nous chopent, on dit on voulait voir aussi, on voulait participer à la soirée. Parce que depuis le début, je suis bien okay. Curieux. C'est bien l'impression que j'ai, ouais. Ouais, complètement. En tout cas, très belle pièce pyjama. Vous avez fait beaucoup de soirées, parce que je vous avoue que... Alors, on n'a pas eu l'occasion encore, mais on pensait inviter Zafil pour l'avant-première.
Ok, bah pourquoi pas, je pense qu'il devrait kiffer, en vrai c'est tout à fait son genre. Bah oui, c'est pour ça, c'est tout à fait son genre, mais c'est pour ça qu'on a pensé à lui quoi. Mais c'est ouf, vous avez designé ça, enfin je veux dire, ça a dû coûter cher en déco et tout là. Vu tout ce qu'il y a ouais, de, surtout que j'ai fait importer tous les meubles de notre terre natale, hein, d'Italie. Un vrai designer, donc Charles Fibidish. Ouais. Est-ce qu'ils nous ont vraiment entendu là? C'est pour ça, je vois ça. Qu'un menuisier, des tailleurs de pierre qui ont été mis à l'œuvre. Et du coup, vous faites quoi dans vos soirées pyjama alors? Parce que, bah, hormis dormir, du coup. Bah, je sais pas, on regarde des films. Discrétion de fou. Films, films, ça exemple, va, en vrai On discute de nos petites histoires de cœur. Oh, vous avez des histoires de cœur, monsieur Wan. On en a plein. Bah, bien sûr, je peux te dire qu'on en a tué, hein, des gens. Je peux être dans la confidence? Oui. Ok, let's go. Putain, je me sens un peu. Genre, je me sens bien là, je kiffe un peu l'ambiance. Ok, c'est quoi les derniers potins? Eh bah, tu vas peut-être pas le croire. Ouais. Mais Zafil veut le cul de Dormas. Quoi? Oh, Dormas, fais pas l'étonner. Bah, c'est vrai, il voulait me draguer, mais j'essaye de refuser. C'est dur, hein, parce qu'il revient souvent à la charge. Ouais. Mais non, moi je. Bah, la toi, tu plieras pas à Dwarf, tu veux pas qu'il te plie en deux le fion, quoi. Là, par exemple, vas-y, je te mets en situation là. Imaginons, hein. T'es au bord de l'eau, t'es posé, t'es juste avec Zaf, tu vois. Vous regardez le coucher de soleil, et il te propose de déchirer le trou du cul, tu dis quoi? Tu dis oui ou non? Oh putain. Bah ça va vite quand même pour un premier rendez-vous. Ah, c'est ce que tu lui dirais? Et après, je sais pas, moi je... Ok, et je si c'était pas. Le quatrième rendez-vous par exemple? Ah, bah déjà c'est un peu plus... C'est un peu... Enfin c'est pas... C'est... Non mais c'est parce que... Non, attendez. Il a pas de bottes, c'est pour ça qu'on entend. Cherchez bien. C'est pour ça qu'on entend ses pas, c'est parce qu'il a pas de bottes. C'est... Non, mais non, j'aime pas Zafil, non, je l'aime pas. Enfin, c'est vrai que je l'aime pas, mais je l'aime pas en amour, quoi. Je vois. Non, parce que j'aurais pu vous arranger un coup, comme je suis son ex, j'aurais pu... Je connais un peu tout ce qu'il aime, tout ça, quoi. Enfin, bon, bref. C'est son ex. Bah, il aime beaucoup les balades en bateau. Si jamais un mec demande, je pourrais lui répondre comme ça. Il aime beaucoup les balades en bateau. Il aime bien danser. Ça fait beaucoup déjà, c'est pas mal, hein. Bah, c'est pas non plus. Putain, j'ai rien pour le coup. Proposez-lui une balade en bateau, coucher de soleil, vous allez voir, ça va le charmer. Ok. Mais... Ok. Après, moi, je vais pas le charmer. Hein. Ah bah, non, mais c'est enfin juste comme ça, quoi. Et il y a d'autres ragots, des news. Eh bah, on a prévu de faire sauter le poste de police. Ah ouais, sérieux? Bon, tu verras bien. Attendez, non, mais moi, je vais être dans la confidence là. Attends, j'ai pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Steve m'a dit qu'il m'a mis dans la confidence, il m'a dit qu'il voulait faire sauter le poste de police. Oh putain! Ah mais sauter. Ah mais non, mais sauter dans quel sens? Mais il va rebondir quoi, on l'emmène en l'air. Éclaté, ouais, comment tu te rattrapes après ça? D'accord sur le plan là? Non, c'est que. Non, parce que je viens d'avoir j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Ah d'accord, c'était pas prévu. Ok, ok. C'est pas prévu encore. Mais je fais une tension là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, vous avez pas l'air d'accord, il y a des plans non, et tout, bégayer. Ah non, pas du tout. Ah non, mais moi je le laisse faire ce qu'il veut, mais... Non, mais parce que, en fait, je dois être honnête, moi je sais pas comment ça fonctionne chez les Goblini, et du coup c'est pour ça que je suis curieux, je me disais, mais est-ce que vous préparez, vous discutez de est-ce tout est-ce que Mastu va être gentil avec nous, et va vraiment tout nous dire? Il faut que je lui dise après que je sois. D'accord, donc là Steve, c'était juste une idée émise, et ensuite il y aura un conseil entre les Goblini pour... Avec tous les Goblini réunis... Mais c'est incroyable votre groupe, hein. C'est vraiment stylé le fait que ce soit... C'était quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi, c'est dans les... Ah, mais les je crois égouts, c'est quoi? Le bois, quand il est en bonne santé, il tousse. Ah, c'est le bois qui travaille? Rat, ouais. Je sais pas. C'est un charpentier. Non, ça, ah ouais, ça doit être un gros rat alors. Oui, c'est ça. Ça doit être un énorme rat, je pense. Un énorme rat de merde, ouais. Ouais. Ouais, ok. Il a fait ça, wesh. Ça doit être un énorme rat. Ah, il a fait ça. Ouais, s'il partait, on se sentirait mieux. Bref. Mais gros! Ok, et eh ben trop cool en tout cas, je trouve les réunions, c'est vraiment stylé en vrai. C'est une force que vous avez et qu'on n'a pas dans le reste du village et je trouve ça bien dommage. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Oui, non c'est plus rare et moi je trouve plus ma place, je crois. Je sais pas, j'ai besoin de. Je pense que je vais prendre un petit temps pour m'aérer l'esprit. Je vous avoue que entre le chef de la police et Crazy Cringe. Il fait quoi? Je sais pas pourquoi il fait ça. On a une petite maison de vacances. Voilà, quoi? Sérieux? Voilà, oui, on a une petite maison de vacances. Oh, c'est stylé en vrai. Bah, si jamais quelqu'un veut ça.
Bah franchement, humble pourquoi demeure, pas humble demeure, bon, c'est un cabanon, hein, c'est pas très grand. Mais... Et ben je suis quand même chaud. Est-ce que c'est parce que j'ai des bottes que moi on m'entend pas sur le parquet? Let's go. Ah, maintenant là, direct. Ah oh, bah oui, si tu veux, on entend ça là. Attention, il sort toi. Vous savez, moi, c'est Ziman. Attendez, attendez, attendez. Je vois pas. Attendez. Il est en train de faire. Ah, mais oui, j'avais pas vu. Attendez. Non, mais. Il a l'air pensif. Vous allez bien, Ziman? Yo. Ouais, je parle à ma GoPro. Vous alliez pas sauter quand même? Non, 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 non. Faut pas. Ok. Bah, après, il s'est volé. Oui, après, c'est vrai que vous pouvez voler. Ah. Oui. J'ai vu des jambes. Ah, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Ah, oui. Ça marche, oh bah ça se repose, ça chie. Je parle à ma GoPro. Ah, ouais, je pense qu'il est en off là. Ouais, ouais, là okay. Je suis pas en service là. D'ailleurs, monsieur l'agent, est-ce que la police peut s'occuper des rats? Oui, on a des rats. Bah non, ouais, mais je m'occupe pas de tout. On avait un rat de merde qui arrêtait pas de tousser tout à l'heure. Dans nos un rat qui tousse? Bah ouais, oula. Ouais, c'est curieux ça. C'est un rat tousse ou quoi? Pardon. Et s'il est énorme, c'est un ratatatata? Bah, décidément, Crazy Man, faut arrêter, vous avez je pas l'humour aussi fin que Raphaël. Eh ben écoutez, en tout cas, nous, là, en cette belle matinée, les Goblins m'ont proposé d'aller dans une petite maison de vacances, là, un petit cabanon apparemment. Oh. Du coup, vous venez d'embrasser le chef de la police, Steve, là? Faut rien. Ouais, quoi? Ah non, j'ai cru que tu l'avais... Hein. Steve, qu'est-ce que vous avez, Steve, qu'est-ce que vous avez fait? Non, rien à voir, c'est que je suis un peu tombé sur son crâne et... Ok, oh, monsieur l'agent, vous êtes... sous le charme, vous voulez dire non? Tomber sous le charme? Non, non, non. Ok, bon bah écoutez, c'est quand vous voulez alors, moi je vous suis. C'est... Allons-y. Bonne journée. Monsieur l'agent, monsieur Crazy Man. Bonne journée. Bonne journée. Salut Steve. Pourquoi vous avez toussé? Pourquoi Crazy Man, toussé? Ça me grattait trop la gorge. D'accord, mais bon. En fait, moi, là, ce que j'aurais voulu, c'est que derrière, on aille voir Mastu et qu'il nous dise vraiment la vérité ou pas. S'il nous mentait, ben, c'était mort. On savait qu'il n'était pas de... Ah, mais je pense qu'ils étaient au courant qu'on les suivait, non? Et je pense pas. Par contre, essayez de mettre des bottes la prochaine fois parce qu'on vous entend sur le parquet. Ah, mais vous aussi, vous entendez les bruits. Ah bon? Ah, ben, oui. Ok, je savais pas. Quand je marchais, je vous entendais aussi, c'est pour ça. Ok, bah autant pour moi, je pense pas. Je pense qu'ils sont partis dans la... Dans la villa où on avait fait notre, ouais, notre date, là. Vous voulez encore y aller? Je sais pas, voir ce qui se passe et voir s'il y a toujours le diamant. Ah, le bloc de diamant, hier, il y était encore, alors je sais pas... Par contre, on va devoir aller vraiment plus haut que ça. Ouais. Mais du coup, leur villa est terminée? Ah oui, il en est vraiment haut. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas s'ils ont entendu la... Oui, mais elle est terrible. Terminée quand, la villa? Je sais pas du tout. Mais l'équipe qui gère la construction, elle est... Oups, je crois qu'ils nous ont vus. Je crois qu'ils nous ont vus. Ils sont où? Ah non. Je crois qu'ils nous ont vus, hein. C'est quoi ce bâtiment? En gros, c'est le manoir des gobelins. Allez, venez là.
À tout moment, je chope. À tout moment, je chope Actuan. Où est Théo ? Où est Théo ? Un truc comme ça. Bah oui. Du coup, je continue l'extension là. Wesh, Théo, il a disparu cash ? Partir sur l'extension. Ouais, moi j'aurais bien eu sur deux étages quand même l'extension. De quoi deux extensions? Ah, deux étages. Je vous ramène. Ah, il est au commissariat, Mathieu. Oh, ça commence fort, hein. Ça commence fort, cette soirée. Les gars. Oh ouais. Oui. Les gars, j'ai eu plein d'infos, là. J'ai eu pas mal d'infos. Ah ouais, okay. Ouais, j'ai pu parler un peu avec eux. Déjà, je suis allé dans leur soirée pyjama, là, un peu. Ouais, du coup, c'est... Très bizarre, ouais, l'ambiance est très bizarre, hein. C'est vraiment, bah c'est moins, c'est plus glauque que la prison, quoi, genre... Ah oui, non, mais c'est très sombre, hein. Et je pense que leur soirée entre frères, c'est quelque chose, hein. Je leur ai demandé ce qu'ils y faisaient et tout, et je comprends pas, au début ils m'enfermaient dans un cachot, je me suis dit ok, ça démarre mal. Wow. Après ils m'ont libéré, ils ont été très cool. J'ai appris que du coup, apparemment, Douar et Zaf, il y a une petite connexion qui se fait. Ah ouais? Bah... Connexion Douar Zaf? Ouais, mais connexion amoureuse. What? Mais Edouard, il est pas plus attiré par ses frères? Bah non, j'ai l'impression qu'il est plutôt assez ouvert. J'ai pas très bien compris en fait. Il a l'air assez. Je pense qu'il je savait pas truc. Encore qu'il a un but. Il commence à tomber amoureux de ça. Là, apparemment, Zaf est assez entreprenant. Ouais, et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Alors, à un moment, il a lâché un truc lunaire. Il a dit qu'il voulait faire péter le commissariat. Quoi? Oh, what? Attends, mais comment ça? Mais le même, vous faire péter? Mais je n'ai pas compris. Même Steve, ou je sais plus lequel des deux l'a dit. Je crois que c'est Edouard qui l'a dit. Et même Steve était choqué. Il était en mode, mais attends, quoi? Ils avaient pas l'air au courant. Et ils m'ont dit qu'ils se concertaient toujours avant de faire quoi que ce soit. Donc, je trouve ça un peu suspect. Soit Steve, ils ont. Qui... Bah, soit ils ont prévu de faire péter le poste de police. Et Steve a joué comment dire? Le mec surpris. Mmh. Soit c'était vraiment pas prévu et c'est une idée qui a été émise comme ça. Et ensuite, ils m'ont montré une maison de vacances qui est gigantesque. On parle vraiment d'un manoir qui est en haut de toute la colline à l'ouest. Donc, il est à eux, ce manoir? Et écoutez, oui, apparemment, c'est à eux. Parce que j'étais déjà tombé dessus et je me demandais justement à qui ça pouvait appartenir. Ah, ouais, bah, a priori, c'est à eux et je suis assez choqué de ah, toutes ouais, les non, informations. Ah ouais, le manoir est incroyablement grand. De toute façon, les gobelins, ils en ont de l'argent. Je sais pas ouais, comment je sais pas d'où ils sortent les fonds, c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, mais attendez, vous êtes pété de thunes et ouais. Parce que là, ils ont monté leur QG qu'ils ont jamais meublé, genre juste ils ont fait le bâtiment. Non, c'est leur pas resto ça. Pareil. Non, je veux vraiment me ils coller leur, au mur, ils ont leur c'est grotte, comme ça en gros. Ils ont une villa. Sur le... Ils ont beaucoup, beaucoup de choses. Comme, il avait fait un des je comprends pas d'où ils sortent les fonds. Je me dis, c'est un streamer ou quoi c'est? En bref, je comprends pas. Non, c'est.
C'est louche. Et est-ce qu'ils vous ont fait un peu confiance? Enfin, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de les rejoindre? Bah, j'ai un peu de mal. Je me rends pas trop compte. Ils sont pas... Ils sont pas forcément réticents quand j'essaie d'aller vers eux ou autre, mais je sens quand même une petite méfiance de leur part, ce qui est normal. Des fois, c'est des gens, de toute façon, ils sont très malins. Plusieurs milliers de personnes et tout. Pour rejoindre un tel réseau, il va falloir. Des dizaines de milliers de personnes. Il va falloir les travailler au corps. Peut-être même premier degré. Normalement, il est là, quoi. Oh là. Ah oui, vous pensez, monsieur l'agent? Je sais pas s'ils sont très proches et que vraiment les rumeurs de Zaf s'avèrent être vraies. Je pense que pour rejoindre la confrérie, il va falloir y passer, quoi. Hein. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Vous voulez Zaf? Ah ok, vous voulez que Mastu, Ken, Steve. S'ils font en arriver là, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un réseau très fermé, la confrérie des Goblinis, là. Et ouais, ils sont soudés, ils sont unis par une chose en commun, quoi. Mais vous pensez que Yves, il s'est fait peps pour rentrer? ça m'étonnerait pas. Hein. En soi, Ibs, il est toujours en slibard, ça peut vite dégainer. Hein. C'est vrai. C'est peut-être par là que je devrais commencer. Je vais peut-être demander à Ibs. Lui demander. Alors, comment ça s'est passé, toi, ton intégration au sein des Goblinis? Je vais voir en vrai. Mm-mm. Après, Ibs aussi, ce qui a pu intéresser les Goblinis, c'est que Ibs est. Emma réussi, ouais, le test. Et la personne la plus riche et la plus influente de Crazy Town. Ah, c'est vrai, il avait des arguments. Bah, je vais devoir jouer de mes arguments, moi aussi. Ouais. Mais ils seront peut-être différents de Ibs, quoi. Ouais, peut-être. Parce que vous, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est votre œil architecte. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils en ont déjà un, parce qu'ils font des. Bah là, ouais, le manoir, il est incroyable. Oui. Donc ouais, je sais pas ce que vous allez pouvoir. Comment vous allez pouvoir, essayer de vous vendre, quoi. Bah, vous êtes l'île Crazy. Donnez un peu votre notoriété, un peu. Je pense que le fait d'avoir une notoriété, ça peut peut-être jouer. Ils sont attirés par ça. Crazyman, vous êtes incroyable. Et je pourrais peut-être essayer de les suivre aussi, mais vu que j'ai une voix de fou en vrai, je pourrais peut-être leur faire un petit chant ou quoi. Ah oui, oui. Ah ouais. Par la chanson. Parce que... C'est vrai que vous pourriez jouer de votre bouche. Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ouais, vous pourriez jouer un petit peu avec votre bouche. Parce que j'ai l'impression que les Goblinis sont très sensibles à ça. Petit à petit, je les sens enfin un peu plus s'ouvrir à vous nous. Vous les sentez bien. Ouais. Et leur monter aussi leur faiblesse un petit peu. Bah en vrai, je pense que je vais les brosser dans le sens du poil avec ma bouche. Alors il faut essayer de les brosser avec votre bouche. Dans le sens du poil. Hein. Bah, je crois que c'est ce que je vais faire alors. En tout cas, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant et puis je vous dis si j'arrive à les intégrer les Goblinis ou non. Ok. Oh. Désolé, j'ai glissé sur le verre. Il était encore un peu humide, ça, ouais. Mais en tout cas, le plan est infaillible. Et on fait quoi une fois que Mastu a rejoint le réseau Goblin? Mais laisse-moi donc. J'ai pas pensé à ça. Soit dedans, c'est bien, mais après, comment on fait imploser? Donc j'ai pris celle de ma mamie. À la base, on le fait pourquoi? On le fait pour les détruire. Donc il faut créer, créer la Discord. S'ils sont proches, en fait, il faudrait recruter Mastu. Il faudrait qu'on recrute, il y a Mastu du coup, il faudrait peut-être qu'on recrute Zaphil aussi. Mais blague, elle passe. Et Zaphil, justement, il faudrait créer des jalousies et les imploser comme ça, de cette manière-là. Ah ouais. Parce que les Goblins sont toujours soudés, ils s'entendent bien. Mais si justement il y a un peu de jalousie qui rentre dedans, ou. C'est une bonne idée. Ça peut tout changer. Hein. Et moi, après, de ce côté-là, moi je peux essayer de récupérer des informations, essayer de devenir le gars sûr du groupe, et je viens vous redonner tout ce que je sais. Ouais, ça peut être une très après, très tout ça, bonne idée. Ouais, voilà, tout simplement, il peut être notre indic au pire, et à chaque coup, nous on aura un coup d'avance parce qu'on aura Théo. C'est très très bien, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça aussi. J'aime ce plan autant que je vous aime, monsieur l'agent. Oh, alors là, vous devez m'aider beaucoup, hein. Bah, c'est gros comme une maison, ouais. C'est grave, il n'y a pas eu d'autres mots. Non, il n'y a pas eu d'autres mots pour l'instant. Je suis le dernier mot. Le meilleur pour la fin, comment dire. C'est vrai ça, merci beaucoup monsieur l'agent. Merci à vous. Merci pour tes deux mots. Crazyman, vous avez pas laissé de mots, vous? Oui, ce que j'allais dire, Crazyman n'a pas laissé un petit mot. Ouais, je vais mettre ça. Hop. Oh. Bonjour Foxy. Oh là, oh là. Vite, venez vous abriter. Merci, bonjour. Hello. Comment allez-vous Foxy? Ah bah ça va très très bien. Comment allez-vous, madame l'adjointe de la police?
pas? Ça n'a pas encore été fait. Je sais, mais ça reste entre nous là, tout le monde est au courant, non? Oui, tout le monde est au courant. Puis de toute façon, vous faites partie de la famille de la police, Mastu, maintenant. C'est vrai? Let's go! Bah oui, vous faites partie de la grande famille. En tant qu'indic. Il fait partie de la police. Super. On a des nouvelles. En gros, Mastu va essayer d'infiltrer le réseau Goblin. Donc il va se lier d'amitié avec lui, il va essayer de rejoindre le réseau pour qu'on puisse le faire exploser de l'intérieur. Oh, d'accord. Oh, bah, je suis flippé. Il y a eu un top, là, c'est chez moi. Enfin, ils nous font pas confiance, quoi. On pourra jamais les rentrer dans le réseau. D'accord, bah, c'est un donc on a demandé à Mastu de le faire. Ah, mais non, c'est vous. Il y a un très bon double jeu. Il peut très bien leur wow. mentir et se jouer d'eux. Aïe, aïe, aïe. C'est un plan qui me plaît. J'ai trop peur. Merci, Vaillant. En tout cas, c'était 2€. J'ai perdu ma carte bleue, donc j'ai pris cette mamie morte. Oh là là, what the fuck. Merci Gisèle pour le tir. C'est ta mamie. Bah là ouais, si on a. Pardon, je suis désolé. Non, Gisèle, c'est pour ça qu'on a. C'est bon. Je suis désolé. C'est pas ce que je voulais dire. Certains subterfuges, c'est ce qu'on disait, mais je vais. C'était juste une blague. En fait, je vais essayer de les amadouer vu que j'ai une voix de fou en vrai comparé à tout le reste du village. Je suis en roue libre. Je vais essayer de leur faire un petit chant. Ah, c'est juste. Ouais, c'est ça. Le ref, lui, il est un peu au niveau son. Oui. Je crois qu'ils sont chez eux. Ce que vous pouvez faire, je pense qu'ils aiment bien un peu les choses. Peut-être un côté un peu imprévisible. Genre là, ce que vous pourriez faire, c'est vous rendre devant leur porte et chanter en pleine nuit là. Ah, vous pensez, j'ai peur que ça les réveille et qu'ils soient un peu bougons, vous savez. Mais, non, mais justement, ils vont peut-être être un peu bougons dans un premier temps. Et après, quand ils vont vous voir et voir un petit peu à quel point vous êtes motivé, peut-être qu'ils vont vous proposer beaucoup, même d'entrer, être au chaud ou voilà. Je crois que je t'ai vu sur Toulouse. Ouais, c'est vrai, maintenant que vous le dites là. Eh, ça me tente bien, hein. C'est un plan qui me plaît. Je vais essayer de faire ça alors. Ouais, allez-y. Je vous tiens au courant. Bon, on va regarder de loin. J'ai extrêmement envie de pépon cette personne. Ouais, je mets Tony Stark, what the fuck, merci énormément. Merci pour les 10 subs offerts. Merci énormément. J'étais pas là, j'écoutais ma GoPro. Décidément, le sub glisse. Mon rêve. Ouais, ça va. Attention, ça glisse. Inspecteur des travaux finis, faut que mais il va en bas, bon. En fait. Je sais pas, mais je pense que c'est bien grillé, là. Bah, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'ils font là? Oula! Mais ils sont pas au bon endroit tous là. Vous êtes prêts, monsieur Steve? Ouais, j'ai glissé. Je suis sorti du commissariat et avec la rosée du matin, c'est assez glissant donc. Ouais, mais vous êtes sorti le matin. Ah bah, je suis en train de sortir, oui. Voilà. Ce qui se trouve là-bas? Mais non, justement, j'ai vu que ça me voit. Bah, c'est tant bien, Foxy. Bah, moi non plus. Et du coup, je n'ose pas trop aller les déranger. Attention. Venez, on va dormir là. Mais là, j'ai peur d'être trop intrusif. Oui, il faudrait peut-être dormir là, ouais. Parce que là, waouh. En fait, j'ai l'impression que moins on dort, plus il y en a. Mec, j'ai une théorie, et si le Fight Club c'était pour cacher une base ou un truc comme ça, bah, avec tout ce qu'ils ont, franchement, pour cacher une base, ils auraient de quoi. C'est normal, c'est logique. De quoi vous parlez? Oui, c'est le but. Salut, ah, ça fait du bien. De quoi vous parlez? J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas d'envie. Oui, tu m'as fait peur! Oh, tu m'as pas vu. Désolé. Hey. Je crois que j'étais tout seul dans les dortoirs. Et d'ailleurs, il t'a fait des tests, enfin des exercices. Bah non, pas du tout. Il était pas revenu jusque là, donc j'ai toujours pas été fermé. Ah oui, c'est vrai. Faudrait peut-être lui demander. Bah ouais. Bon, bah je vais faire ça alors. Vous avez toujours la cam? Ouais. Ok. J'ai pas entendu, Monsieur Crazyman. Hein? Non, je demandais si il y avait un de deux qui avait la corde.
Action et ou Foxy, mais Action là, ouais. Ouais. Foxy a aussi une com. Je suis ravie. Oui. Let's go. Ouais, bah écoutez, super, c'est ce que j'étais en train de dire, monsieur l'agent, mais moi je vais partir en session studio. Je reviendrai sûrement, je sais pas, prochainement. Je vais essayer de faire un son pour les Gobini et essayer de les charmer. La Crazy Tower, ben là, dans pas longtemps. C'était le temps que tout soit fini. Merci beaucoup, merci pour tes 5 euros de Sinistar. Par rapport à ma requête, vous avez pu récupérer un petit CD. Alors, bougez pas. Mon père, il a vu hier la fin du live, il était bouche bée. Non, c'était pas la fin du live qu'il a vu. Il a vu quand on était à 3900 viewers. Monsieur l'agent, c'est pour vous. Il était sur le cul. Ah, wow, dédicacé en plus. Je l'ai déjà celui-là. C'est les... Ah, je pensais pas que vous l'aviez. Mais écoutez, je vous ramène le prochain demain alors dans ce cas. Ah, bon, vous êtes un peu proche là. Hop. D'accord, d'accord. Hop. Hop. Ah. Griezmann. Vous venez de le pousser, ça dérange pas, non? Enfin, je veux dire... Ça dérange pas, non? Bah... Crazyman? Oui? Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, je parle juste bon. Avec mon artiste préféré? Ouais, bah, parlez-lui. Oui, bah, je parle juste avec mon chef de la police préféré. Écoutez, Crazyman, y'a rien... Parlez-lui de... aussi! Oui, c'est ce qu'il a fait. Non, c'est ce qu'on faisait, ouais. Parlez entre vous, là! Avant que vous nous sépariez. Oui, bah, on parlait, on parle bien. Waouh, ok, bah écoutez... Je vais partir poser mon son alors. Ouais, mais je vais essayer de calmer Crazyman un petit peu. Ok, super. Bah, Crazyman, calme-toi. Calme-toi. Wow. Oui. Bon voilà. Courage, agent Foxy. C'est bon courage. Merci, ouais. Bonne session d'enregistrement. Bonne merci session. Beaucoup. Bon je vais mon sud. Ouais, au revoir, monsieur Mastu. Qu'est-ce qui. Ah. Ben mon ref. Ils me font vivre un enfer. Mais qu'est-ce que. C'est quoi ça? Non. Vous faites quoi? Bah c'est pas comme ça que ça marche C'est quoi ce bordel là. Hop là. Oula, oula, oula. Ça va, je vais pas trop vite. Un peu trop vite. D'accord. Je me suis éclaté la tête. C'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, terminé. Combien de jours je dois rester? 1000. Je lui ai dit 1000 jours, je sais pas si c'est un peu trop... Chris Evan, vous avez enfermé Steve. Non mais c'est bon, il poste ses détritus par terre, nous on est une ville écologique. Ouais c'est vrai, monsieur Steve. Oui. Je vais mettre en place une nouvelle loi qui va vous empêcher de... Enfin qui va vous interdire de polluer. Il faut arrêter de jeter ses déchets par terre, il y a des poubelles qui sont faites pour ça. Oh putain. Ah mais excusez-moi, mais il n'y avait pas de loi en place à ce moment-là, je suis désolé monsieur l'agent. On pourrait faire des... Ne jetez pas ça dans les public. On a tous jeté nos déchets par terre jusqu'à maintenant. Ouais mais évitez de les jeter... Oui, mais évitez de les jeter dans des endroits comme ça. Là, c'était vraiment sur le palier du commissariat. C'est pas ouf, quoi. Évitez de les jeter dans les endroits publics. Ok. Faites des poubelles chez vous, jetez ça dans l'eau. Oui, on peut en faire. Merci. Oups, pardon. Y a pas de problème. Mais évitez de refaire ça la prochaine fois. Et bah autant pour moi, j'étais pas au courant. Non, y a pas de problème. Boum, je suis bien cloué de bec là. Hop là. Crazyman, vous lui avez bien dit là. Ouais. Mais en fait, je lui ai clairement rien dit. Je l'ai juste pris en prison. Non, vous avez raison. Crazyman. Oui. On va mettre en place. Parce que là, il y a des gens qui ne respectent pas les lois. On va mettre en place. Je vais le mettre à la mairie. On va faire les 12 crazy commandements. Oh. Oh. Ah ouais, ça. Et ce sera une liste de 12 lois. Que les habitants de Crazytown devront respecter sous peine d'aller en prison. Ah, c'est une bonne idée, ça, monsieur. C'est ouais. Très religieux, j'espère qu'il ne va pas avoir de problème avec est-ce ça. Est-ce que vous avez des idées de pancartes ou de panneaux d'affichage à faire des armes pour rien. On fait quoi, juste avec des petites pancartes, on les met à la mairie? Ou un livre Ah oui, ouais, un livre qu'on donne à chaque habitant de Crazytown. Un livre en plein milieu de la mairie, vous savez, sur le au tribunal, quoi. Ouais, mais le pupitre et le livre, faut que les gens cliquent dessus. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui s'affiche, quoi. Qui puisse voir. Que ce soit visible. Ouais. Donc, je pense qu'il faut mettre plein de pancartes, hein. Ouais, je pense que ça pourrait le faire, ouais. Plein de pancartes et je fais des livres que je mets dans chaque boîte aux lettres. Ah oui, on peut faire les deux, ouais.
Ah oui, c'est les 10, c'est pas les 12. Les règles Bah déjà, on peut mettre une règle par rapport à la pollution. Interdiction de jeter ces objets sur la voie publique. Mais ça, c'est et à chaque fois, il y a des amendes. Comme ça, la police s'enrichira et on pourra aussi, nous, de notre côté, ben, acheter des équipements pour pouvoir tenir tête. Ouais, bah principalement, mais aussi pouvoir tenir tête aux groupes les plus puissants de Crazy Town. D'accord. Ouais, déjà ça c'est bien pour la pollution. Donc on peut faire une règle sur la pollution, une règle sur la détention. Aussi, je vais faire la salle pour les fous. De viande putréfiée. De chair putréfiée, pardon. Un tableau. Bon, il faut 12 commandements. Mince. Bon, il en faut 10. En gros, on fait un tableau et on met une image comme on a fait avec la photo d'Actuan, c'est ça que vous dites ? Interdiction au racisme anti-vert. Voilà, les goblinistes sont pleins qu'apparemment il y avait du racisme anti-goblini. Je ne veux pas de ça. La Criston, on va le faire. Donc interdiction. Pas de racisme anti-vert. Voilà, pas de racisme anti-vert. Plus que 9. Au pire, on pourrait servir aussi des tableaux. Vous avez bien accroché une photo de vous. Un tableau. Ça serait beaucoup plus visuel. C'est vrai. C'est une bonne idée. Eh ben, je vais mettre déjà les commandements dans un livre propre. Merci les refs. Et je contacterai du coup la personne qui m'a fait ça. Et je vais lui demander du coup de mettre ça sur un tableau en gros. Par contre, Crazy Man, ça va coûter au moins 3 diamants, ça. Vous pouvez me dépanner, s'il vous plaît. Ah oui, vous avez raison. 3 diamants, c'est pas assez, en fait. C'est pour ça que je rigole, je pense. Parce que c'est cher, moi. Bah oui, ça coûte cher de contacter quelqu'un pour mettre au propre, imprimer en gros et tout. C'est des dépenses, quoi. Mais si c'est si cher que ça, Foxy, vous pouvez aussi en donner. De toute façon, votre mari, il est chez les Goblini, donc... Ouais, mais moi, je fais partie de la police, donc vous devez avoir des diamants. C'est pas à moi de le dépenser. Mais moi aussi, je suis partie de la police. C'est pas à nous de le payer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je me suis dit avec... Oui, mais... Je me suis demandé, je me suis dit qu'il y avait peut-être un peu d'argent avec tout son équipement, sa technologie. Je me suis dit que peut-être il avait un petit peu. Mais c'est pas grave. J'essaierai de demander par-ci par-là si je peux avoir des dons. Je ferai un appel aux dons, je demanderai aux Goblini, tout ça. Ok, ouais. Ouais, je suis pas trop sûr de ça, mais ouais. Enfin, genre, s'il vous donne 3 diamants, vous allez devoir leur rendre au centuple. Ah oui, ça s'est arrangé, ça d'ailleurs ? Cette histoire de raquettes. Ouais, je les ai payées tout à l'heure. Vous faisiez du tennis assez arrangé. Ouais. C'est pas ce genre de raquette, non, malheureusement. Non. Ouais, j'aurais bien aimé que ce soit juste un simple tennis, mais non. Je me suis fait séquestrer et passer à tabac par les Goblini et je leur devais 2 lingots de Nézorite. J'aurais donné tout à l'heure, du coup. Il y avait 2 témoins oculaires pour pas qu'ils me la mettent à l'envers. Il y avait Monsieur Mastu et Monsieur Rafale. D'accord. Bon. C'est drôle quand il dit Monsieur Rafale alors que c'est moi. Ça me fait... Ah, attendez, j'ai mon livre là. Et Crazy Man, c'est quoi cette histoire de théâtre là avec les Goblins tout à l'heure? J'ai noté leur nom là pour le coup de théâtre, c'est quoi? En fait, c'était... c'était il y a longtemps, je sais plus pourquoi, mais en gros, ils me demandaient pourquoi j'étais souvent avec vous, etc. Et en gros, j'avais dit qu'il y avait un théâtre, qu'on faisait du théâtre, où on s'entraînait à appréhender les malfrats. Et vous n'êtes pas du tout rentré, vous avez tout nié. Non, après j'ai dit, après ça m'était revenu. Ok, et on les commence quand ces cours de théâtre du coup? Mais on les commence jamais, ils n'ont jamais existé. Bah, comment mais ça si y en a, vous avez dit au bout de l'île? Oui, mais non, mais tu m'as fait, oh putain de merde. Non mais j'avais dit ça pour me sortir de la merde, parce qu'il m'avait, je sais plus pourquoi, ça fait longtemps, mais genre... En gros, j'avais dit ça parce qu'il pensait qu'il y avait un bail. Ah, chelou, c'est une distraction. Vu qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Oui. Ok, je vois. Pas du tout mordu. Et en plus de ça, maintenant, on va devoir vraiment faire des cours de théâtre. C'est une bonne idée, en vrai, on peut faire ça. Oui, c'est pas plus mal. Comme ça, on fera les cours de théâtre une fois que vous aurez également les équipements. Comme ça, vous pourrez apprendre à les utiliser. Oui, bah oui, justement, moi j'aimerais bien avoir une formation, parce que vous étiez pas là quelques jours, et moi je savais pas du tout comment gérer la situation. Ouais. Après je vais faire la crazy tour là. Et il s'est passé quoi d'ailleurs hier là, quand j'étais pas en ville? Bah, étrangement, rien de rien très très... Ah, qu'est-ce que je devais lui dire?
Si, monsieur Crazyman, vous avez eu des problèmes, non, avec les Goblini, justement. Oui, eh bien attendez, j'essaie de, retrouver ce que je voulais dire. Pardon. Dites, retrouvez. C'était quoi? Oui, ça y est, ok. Mais attendez. Je veux m'assurer qu'ils ne sont pas là. Y a Steve à la mairie. Ouais. Ok. Non, c'est bon, ils sont pas là. En fait, Chris est allé voir les Goblini pour leur demander, pour leur demander un nouvel équipement qui pourrait rivaliser avec le mien. Et Chris veut devenir le nouveau méchant de Chris Town. Ah, quoi? C'est ça. Je comprenais pas du tout. Mais le problème, Chris veut devenir le grand méchant de Chris Town. Oui, sauf qu'après, on s'est battu. C'était super. Vous êtes battu avec Chris? Ouais. C'était un combat légal. Mais vous étiez en tenue, vous? Oui. Hein? Vous êtes battu sur un ring? Oui, à main nue, sans équipement, rien. Et tout le monde a vu votre visage? Je l'ai écrasé. Non, enfin, j'avais mon costume. Son masque. Oh. Je vous sens déçu. Crazyman, j'espère qu'un jour, si on devient plus intime, vous retirez votre masque. Un jour, oui, peut-être. D'accord. Ah, je ne vais pas vous déranger si vous voulez parler. C'est bon. Ok. Et du coup, on s'est battu. Je l'ai éclaté, hein. On va dire les termes. Et, en même temps, vos gros bras, là. Arrêtez. Quoique Chris aussi, là. Il est au champ toute la journée. Il doit être bien sec, bien musclé aussi, Chris. Hein. Bah, moi aussi, j'ai eu l'occasion de me battre contre Chris et je peux vous dire qu'il m'a bien défoncé. Hein. Quoi? Mais Chris, il s'est battu contre tout le village? Encore des violences contre des femmes. Super. Non, mais c'était un match amical sur le Chris. Ring. Un match amical. Bien sûr, le syndrome de Stockholm, bien sûr, let's go. Non, Chrisman, là, vous faites des conclusions hâtives. C'est des raccourcis, d'accord, ok. Je m'emporte peut-être un peu. C'est des gros raccourcis. Et du coup, Chris s'est battu contre tout le village? Contre Foxy et moi, du coup. Mm-hmm. Mais moi, c'était officiel, c'était un peu de la MMA, quoi. Et j'ai gagné. Tu as parié d'argent sur les combats? Non. Je t'ai dit que c'était légal. Ouais, mais c'était des paris légaux. Oui, mais ça peut être... Ouais, c'était le PMU et tout. Ça peut être légal. Mais d'ailleurs, quelle est la monnaie officielle de Crazy Town? Il faudrait instaurer un système d'argent. Ah, c'est vrai que ce serait pas si bon. Si on met des impôts. Capitaliste, monsieur? Ouais, un petit peu. J'aime bien l'argent. Et je pense que... T'aurais dû lâcher, mais j'ai dit... Instaurer un système d'argent dans Crazy Town, ça peut être pas mal s'il y a des amants... Merci beaucoup pour le raid, what the fuck. Ah, mais c'est toi, Dwarf. Ah, mais t'arrêtes. Parce que bon, les diamants, c'est peut-être un peu trop compliqué, mais c'est ce qu'on pourrait utiliser comme matériel. Comme matériau. Et merci beaucoup pour les 280... Le fer, c'est facile à récupérer, l'or... Bonjour tout le monde. Faites en soi, l'émeraude, ça peut être pas mal. Est-ce que vous pouvez le mettre en VIP si jamais il l'est pas? Le problème, c'est que j'en ai aucun, quoi. Moi non plus. Sinon, je vais pas voir. Ça ferait nous des pauvres, monsieur. Ouais, je sais, je roule pas sur l'œuf. Hein. Mais en gros, voilà. C'est tout ça pour vous dire que Chris, il veut m'écraser. Et que je pense que du coup, les Goblini vont lui offrir une tenue. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient lui offrir une tenue pour le troller. Et qu'en fait, je puisse. Enfin, qu'il soit un peu nul, en fait. Parce que. Les Goblini, Je sais pas trop quoi en penser, donc... Les Goblini sont assez puissants pour développer une technique aussi poussée que la vôtre. Ouais, et puis même, ils peuvent peut-être droguer Chris aussi. Il a l'air tellement déterminé qu'ils peuvent peut-être le droguer et qu'il soit, du coup, avec un sérum de super-humain et qu'il soit plus fort que moi, ouais. Donc, il faut garder Chris à l'œil. C'est là, Edouard, mais merci beaucoup. Si j'ai bien compris. Ouais, et les Goblini avec, parce que moi, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire flopper, que ça allait être un méchant, mais flopesque, mais j'ai des doutes. On sait jamais, quoi. Ouais. D'accord. Ah ouais. Vous avez raison de douter de ça. Très bien. Eh bien, du coup, gardez Chris à l'œil. C'est tout ce qu'il y a eu hier? Ouais, je crois. À peu près, hein.
Ok. Okay, donc Chris qui veut devenir le grand méchant. Elle a pas parlé d'Emma. Elle a pas parlé d'Emma. Yes. Moi, je réfléchis, mais y a pas eu grand chose sinon. C'était assez calme. Ah, c'est passé des trucs, mais rien d'immédiat. Ouais, oui. Ok. Eh bien, eh bien, parfait. Moi, je vais essayer de mettre en place du coup tout le règlement. Peut-être, okay. Je sais pas si je l'écris sur papier ou si je le mets sous forme de pancarte à la mairie pour l'instant. Je vais peut-être mettre les pancartes. D'accord. Comme ça, les gens ils pourront les voir déjà dès le début. Ah, attendez, il me faut. Ok. Ah bah j'ai ce qu'il faut sur moi. Ah mais. Et moi, je vous laisse. Je vais combattre le crime. Ouais. Ok, très bien. Bon courage, Crazyman. Et je risque aussi de me faire un petit chez moi aussi parce que à chaque fois je viens d'une autre ville, du coup c'est chiant. Ah bah oui, non mais faites votre maison. Une autre ville, d'accord. Et en volant. Et du coup je pensais le faire à gauche du commissariat, mais un peu plus loin, près de chez Sam sur la colline. Ah oui, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà, une petite tour. Voilà. Bah vous êtes le bienvenu à Crazy Town. Hein. Ok, bah nickel, bah merci. Ok, du coup, je vous remets cette voix-là. Mais non, ça c'est à moi. Ok. Du coup, je vais devoir construire ça avec Crazy Man. C'est pour ça que j'ai remis ma voix, vous inquiétez pas. Zaf, c'est qui est Crazy Man? Non, c'est impossible. Parce qu'il a pris une potion d'oubli. Du coup, c'est impossible. C'est impossible qu'il sache. Voilà. Ok. Bon. Je vais devoir faire une tour. Ok. Crazy coin. Ah, coin. Oh, putain, je pensais que vous parliez du poulet. Oh là là. Oh, je suis tellement un boomer, sa mère. C'est lourd, hein. Quel a lancé un peu. Merci, Mixley, pour les 200 bits. La Crazy Tower. Ok. Bon. La Crazy Tower, c'est simple, je vois bien un délire. Attendez, parce que j'ai trop peur qu'il y ait des creepers. Je vois bien un délire du genre. Jusqu'à quelle heure, j'en ai aucune idée. Donc là, il y a la colline. Voilà. 18 ans d'expérience pour faire ce genre de... je sais pas dessiner. Je sais pas à qui j'ai voulu la faire, mais je sais pas dessiner. Donc, en gros, une tour comme ça, simple, hein, basique. Vous n'avez pas les bases. Un crazy dessinateur. Et en gros, après, ça fait un genre de rond, quoi. Voilà, et sous terre, on pourrait faire deux petits trucs pour notre stuff avec Emma et moi, quoi. On va changer de forme. Je pense que je vais faire juste je pense que je vais juste faire une plateforme. Ok ? Genre là, il y aura une plateforme. La 3D. Et voilà, juste un dôme. Voilà, un petit dôme, quoi, où je peux partir. En fait, un peu comme la maison de... Comme la maison que j'ai, quoi. Juste, ça sera une tour. Vraiment, juste une tour. Et après, un petit dôme, voilà. C'est tout. Et je pense juste que par contre, là, ici, là, il y aura un C. Hop.
il y aura un C ici. Wow. Et en gros, il y aura de la redstone ici qui descendra sous terre, etc. Qui ira jusqu'à la mairie. C'est la mairie, croyez-moi, c'est la mairie. Regardez, il y a une entrée, c'est la mairie. Il y a des piliers, regardez, hop, c'est les piliers de la mairie, ça. Eh bien, il y aura de la redstone qui arrivera jusqu'à la mairie avec un bouton ici. Le bouton qui a la taille presque des portes. Moins 2 cm sur toi, sûrement à compenser. Et du coup, quand tu appuies sur le bouton, hop, ça bam bam bam, l'électricité là, bim bam boum, hop, et hop, ça allume le C. Ok ? Ah oui, c'est incroyable. Donc je pense... Je pense que je suis en train de compter les cubes. Hein. Je suis en train de compter les cubes. Je pense que... je vais... ouais, je vais faire... un, rien, un, rien... 1, rien, 1. Donc il me faut 7 de largeur. 7 de largeur. Je comptais les cubes. Vous comptez pas les cubes comme ça, vous ? Ok. Ouais, genre, en gros. Donc il me faudra 1 cube, ok. Rien, parce qu'il y aura la redstone ici. 1 cube, l'entrée. 1 cube, rien. Pour faire tout le tour, en fait, avec la redstone, tu vois. Et voilà, quoi. Il m'a fait peur, wesh. Qu'est-ce que tu veux, Crazyman ? Ouais, il doit réfléchir au plan pour sa maison, je pense. Ouais. Alors, où est-ce que... Tu en es où de la musique ? J'ai pas eu le temps de la faire. Putain, j'ai trop le seum. Si, j'ai fait le premier couplet, mais c'est pas mixé, pas du tout. Le pauvre, je le fais attendre, Atlas. Désolé. Ok. Est-ce qu'on se met vraiment dans ce trou-là, là ? Tu es amoureux d'Actuan ? Rafale, enfin, quand je suis moi-même, j'aime pas parler de moi à la troisième personne, je suis amoureux de Zafil. Et personne n'aura Zafil si moi je peux pas l'avoir. Donc, en soi, non, je suis amoureux de Zafil. Donc, même si je tombe amoureux d'Actuan, c'est. Soit parce que j'ai envie de Ken. Soit parce que j'ai élaboré un plan, quoi. Et wesh. Ok. Donc. Oui, dans le trou. Ok. Pourquoi tu mets pas... Pourquoi tu te mets pas avec une meuf RP ? Parce que... Pourquoi ? En fait, je sais pas. Ce serait pas drôle. Ça serait pas drôle. Voilà. Surtout que bah, Foxy... Merde, on peut pas l'utiliser, en fait, cette chiotte. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas l'ardoise des abîmes, en fait. Putain, mais quel con. Mais je suis une crazy merde. Attention, il y a un Enderman dans la mairie, monsieur. Je suis une crazy merde. Ah oui. T'as sainement raf... Mais c'est bon. Tu le craftes ? Mais le problème, c'est que... Attendez, il me faut un établi, en fait. Il y en a un dans la mairie. Je vais me servir dans la mairie. En fait, c'est trop haut, là, ton carte. Attends, j'abuse. Ah oui, faut qu'on puisse lire. Ah oui, c'est peut-être un peu haut. C'est pour pas qu'on soit au-dessus des lois. Bravo! Décidément, vous avez pas l'humour de rafale, hein. Faut arrêter. Désolé, c'était un peu trop. Désolé, Oh, l'overreact. Bravo, mec!
Comment elle a fait, ça m'a détruit. Bravo. Ça marche pas, c'est de la merde. Je vais aller voir les gobelins, c'est bon là. Je vais faire un tableau d'affichage au centre plutôt. D'accord. Ça tape. Toc, Tilly, toc, là. Hey, police, les mains en l'air, les refs. Sont où? Ben, wesh. Toc. Eh, vous êtes dans une salle cachée ou quoi? Wesh, ta maison. Ouais, c'est les gobelins. Oh. En gros, il y avait une salle avec plein de caméras de surveillance et un livre. Qui parlait de tous les habitants de Clisdom. Ah, mais je crois c'était que assez glauque. Oui, je vous ai parlé de cette salle. C'est un livre où il y a des informations sur tout le monde. D'accord. Okay. Il parle de ma salle. Très louche comme endroit. Je l'ai montré à Crazy Man et quand on était retourné avec Crazy Man, il n'y avait plus le livre. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Ah. C'est le mien. Bah, quand on s'était battu gentiment avec Chris, il m'a frappé tellement fort que je me suis retrouvé sur le haut de la mairie. Je crois que du coup, je suis tombé dans cette pièce, mais c'était vide. Il n'y avait rien du tout. Ah oui, vous a envoyé là-bas, carrément? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée sur le toit. Ça va, monsieur Crazy Man? Ouais, je cherche les entrées, l'entrée des toilettes, mais... Ah, mais c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, là? Petit mal de bite, oui, hop, voilà. De bite? Attendez, j'ai pas compris la phrase. Oui. Non, de... Ah de là là, oh. Oh, ouais. Oh, 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 là là, oh, la vache. Oh, ouais. Oh, non, ah. Oh. Comment on tire la chasse? Ils sont difficiles, les chasses. Oui, ça va mieux, merci beaucoup. Ah, ça soulage, hein? Ouais, merci les gars. Pas de problème. Salut. Force. Possible, mais putain, mais... Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben écoute, ça me fait plaisir que tu viennes, ça va bien et toi? Eh ben ça va bien. J'aimerais savoir si vous aviez... Le robot Google, Crazy Man. Je sais pas, c'est une nouvelle étiquette là que j'essaye de me faire. Non, est-ce que vous auriez... est-ce que vous auriez pas de l'ardoise, des abîmes de merde là? Mais de la pierre des abîmes. Le truc avant l'ardoise. En mode cobble. Ouais, pour faire ça. Ah oui, ça on en a, ouais. D'accord, est-ce que vous pouvez m'en passer, s'il vous plaît? S'il nous en reste. Bah attendez, vous pouvez m'emmener à la villa au pire? Oh là, c'était très rapide. Wow! Vomissez pas dessus. Hein. Non. Oh, gardez ça dans votre bouche. Yeah! Oh. Ah merde, j'aurais peut-être de vous déposer en bas parce que les coffres sont bas. Oh, j'ai eu peur, hein. Normalement, on en a de là. Ah bah apparemment on n'a plus. Je me suis trop habitué à la voix de Crazy Man pour Raphaël, c'est trop JPF. Ah merci des dalles. Eh moi aussi je sais faire. Ça peut très bien marcher. J'ai oublié que j'avais pas de saut. Ah si j'en ai pas en plus. Il y a des dalles, tu peux pas le faire. Ah yes. Et ben on en a plus apparemment. Ok, bah je vais devoir vous arrêter. Je ferai un tweet si je... Wow. Je déconne, c'est une blague nette. Wow, vous m'avez fait peur, hein. Si je vous arrête, c'est pour vous amener dans mon lit. Pourquoi j'ai senti ça? Ouais, bref.
Comment ça? Comment ça? Non, j'ai l'impression que vous êtes le plus coquin de tous vos amis, là. Alors, non. Coquino. Je vous écoute, mec. J'aime bien vivre, voilà. Je vis ma vie à fond, voilà, Crazy Man. D'accord, jour après jour et après nuit. Mais à quoi ça sert c'est d'être ça. Sur Terre? Bah, je suis bien d'accord parce avec vous. Parce qu'il faut bien mourir un jour. Oh, vous êtes un peu flopesque, Crazy Man. Oui, je sais. C'est difficile, la c'était vidéo. C'était pas votre meilleure, celle-là, Crazy Man. Non, clairement pas. Mais après, vous ferez mieux. Il y avait un grand humoriste, il avait dit de noter les blagues avant sur un petit carnet et... Ouais, ouais. Et de les répéter à voix haute pour s'en rendre compte. Ouais. Moi, je vous conseille, vous prenez un petit carnet, vous écrivez vos blagues. Et vous les dites jamais. Vous les lisez à voix haute d'abord. Ok. Une bonne dizaine de fois pour être sûr. D'accord. Et... Enfin, moi, je vous conseille de pas les dire, mais après, vous pouvez les dire après, voilà. D'accord, bah, merci du conseil. Bah, y a pas de soucis, Crazy Man. Oh. J'ai eu peur. Let's go. J'ai vu ça, ouais. Ta-na-na-na-na. J'ai flop ce saut, oh là là. Putain. Vous allez bien? Non. Vous avez des soucis, Moselle, en ce moment. Ça, oui, ça ouais, va pas trop, mais... Si vous voulez, on fera une piste de décollage pour la prochaine fois, au pire. Oui, je pense que ça suffira, là. Mais c'est déjà assez grand, mais c'est juste que... Ouais, bon, mais plus je grand, vais peut-être encore, si vous avez besoin. Non, ils ont besoin d'un peu d'aide, des fois. D'accord, je vais essayer de m'améliorer cette fois-ci. Ok, bah, je vous fais confiance. Merci. Oh, je suis le plus gros bisu de cette terre, là. J'en ai marre. Ou alors, on l'a fait en stone. On l'a fait en quelle matière? Donnez-moi des matières. Est-ce que vous aimez cette matière-là? Est-ce qu'on l'a fait en noir, comme ça, avec les ardoises des abîmes carrelées? Ou est-ce qu'on l'a fait en autre chose? En bois. Mais les refs, je suis Crazy Man. Oh les refs. Oh, le béton noir, je crois que c'est encore plus chiant à faire que ce que je veux faire là. Ok. Dites-moi que c'est pas Steve. Oh ouais, Foxy, Foxy. Salut. Bonjour. J'aurais voulu... Oui. D'accord. Ouais, c'est stylé. Vous avez des idées d'amélioration, Crazy Man, pour le panneau? Bah, ça, c'est un panneau, quoi. Peut-être y mettre une lumière, je sais pas où, mais... Ah oui, une lumière. Ouais, on pourrait l'éclairer, c'est vrai. J'aurais voulu savoir si vous aviez des pierres des abîmes. Ah, Ah bah non, je crois que peut-être j'en ai vérifier à la poubelle tout à l'heure. Ouais, vérifier dans mon coffre chez moi. Dans mon coffre, okay. Vu qu'on a acheté la poubelle, c'était relié. Essayez de voir. Ah, ok, merci beaucoup. Hop, je vous mets la musique, parce qu'on va partir en build. Vous avez vu, je dis plus build. Je dis build. Je me suis mis à la page. I'm Jens. Wouh! Double Jens! Baka! Non, faut que j'arrête avec ça. C'est pas le bon coffre. Pierre des abîmes. Ok. Ça, c'est de l'ardoise. Ok.
Mais pourquoi? Je vais péter un plomb là. Voilà. Si c'est un peu trop fort, je peux baisser. Hein. Sayura, je voulais te demander si tu avais un CD Lil Crazy dans le club. Monsieur Chrisman. Et je sans bruit. Oui, je... attends. Oh. Hop là. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, c'est pas qui. Beatbox, waouh. Ouais, Crazy Man. Yo. Un. Ouais. Ouais. Les Goblini, c'est des pouffeurs de zizi. Oh, oh. La prochaine fois que je les suis, je les enfile dans mon lit. Ouais. Ouf. Bah j'ai pas, je suis pas rappeur de base. Ouais, je vois ça. Hein. Je vois que ça juge. Ok. Chrisman. Ouais. Est-ce que vous auriez de l'encre lumineuse? C'est pour le panneau d'affichage en bas. Trop crazy en fait quoi. Je sais pas. Je suis de crazy retour. Mais il y a peut-être moyen que j'en ai un petit peu. Dans l'idéal, il me faudrait 6 ou 7 encres lumineuses. Si possible. Ah oui. Ok. Bah après, vous, ouais, enfin, donnez-moi ce que je vous savez, mais ouais. Ok, merci. Ouah, c'est du racket ça par contre, hein, cette phrase. Non. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ok, bah je fais ça. Hop. Il y a un chouchou, il y a un chouchou. Attendez, j'ai pas... Quoi? Depuis quand il y a un chouchou, là? Et depuis quand il y a un chouchou, là? Mais il vient de s'arrêter, le chouchou. Mais pourquoi je l'ai pas eu? Merci pour les 15 mois, Capi. Merci beaucoup. Trop crazy, en fait, quoi. Je suis de crazy retour. Mais écoute, bienvenue, Capi. Ça vous... J'avoue, ça fait longtemps. Ah, il arrive. Ok. Mais il est pas encore là. Ok. Je voulais faire quoi? Ça, je prends. Je voulais faire quoi, déjà? Oh, je suis trop un baka. Excusez-moi, mais ça sort, hein. Ça sort de mon âme. C'est j'arrive pas à le contrôler, hein. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. J'y arrive vraiment pas. Hein. Et je tente, hein, je tente. Hein. Ouais. Hop. Hop. Je vais amener ça à... Oh, merci. Wesh. Oui. Oh, wesh, Capi. Merci énormément. Combien? Pour tes 5 subs offerts, merci énormément. Vous savez où il est? Ouais, Beatbox. J'avais oublié la voix. Yeah. Du coup, j'ai des trucs lumineux. Bah moi aussi j'en ai en fait. D'accord. Du coup, trop bien. Mais je sais pas où est le chef de la police. Bah ouais, il est crazy caché. Il faut vraiment que j'arrête un peu. Il était chez Chris et... Où ça? Il a volé des trucs. Oh. J'ai vu passer là-bas. Bah attendez, je vous emmène. Oh, oui. C'est la première fois que je vole. Trop bien. Hop. On en a. Oh parfait, vous en avez combien? Moi j'en ai 5. Moi j'en ai 4. Oh, let's go! J'en ai plus. C'est pas une compétition, mais Foxy vous a battu, ouais. Ouais. Après, c'est pas une compétition, hein? Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est qui, le, c'est qui le meilleur de la police? C'est qui le meilleur de la police? C'est moi. C'est vous. Pas mal. Très, très bien, les drôles, celle-là.
J'y attendais pas. J'y attendais pas. Oh, merci. Et moi. Merci beaucoup. Ça part en train de live, là. C'est bon. Et ouais, on est en train de live. Merci beaucoup, Drainra. Aïe, aïe. Drainra, merci beaucoup pour tes 5 bits, pour tes 5 subs offerts. Merci Mixly, waouh frère, pour le sub offert, merci beaucoup. Et merci Denera encore pour un sub offert. Et merci pour les 300 bits, ça peut dire popette. Et ça part en train de la wipe. Train de la wipe. Pourquoi tu wipe? Mais je suis débile. Allez. Allez, on est tous ensemble. Ah oui, merde, il y a la caméra, putain, j'avais oublié. J'allais commencer à me dandiner là comme ça. La 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 la. La 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 la. Elle est trop bien cette musique. Elle est trop yimbe. Merci, merci normalement pour le train de hype. Ma safe place. Hop. Je repasse en mode. Minecraft, parce que nous on est trop des baka. Ah, waouh. Oh, aïe, aïe, ça fait mal, ça fait mal quand je fais ça. C'est pas grave. Tac, tac. Tac. Alors, est-ce que on le fait en ardoise de pierre taillée? Je vais vous montrer un petit peu. La tour, est-ce qu'on la fait en ça ou en ça? Moi, j'ai ma préférence. Merci Shiro pour le sub, merci énormément. Soit le 1, soit le 2. À vous de voir. 2-2-2-2-2, oh ouais, ok. Ok les refs, ça va ou quoi? Tac. Hop là. Ok, toi tu t'en vas ou quoi? T'es pas voulu par la communauté. Si long, c'est si long ces regards, c'est si long. Du coup, ce que je vous propose, hein, c'est de faire. C'est de faire dans ce trou là. Ce bon gros trou là, ce crazy trou même, je dirais. Aucun dosage. Hop. Hop là. Alors. Attendez. Là, c'est la redstone. Ok, ça, c'est la redstone qui passe. 1, 2. Donc là, après, ici, il y a un autre mur. Ici, c'est là où il y a l'entrée. Insupportable cette voix. J'espère que je vous casse bien les couilles. Ensuite, ici. Ici. Pourquoi je prends cette voix? Insupportable. Il y a vraiment des gens qui parlent comme ça en plus. Au secours, tais-toi, je t'en supplie. Arrête cette voix. D'accord. Ben, je vais continuer. Souvent, ils ont un chewing-gum, ils font. Ah, ça me dégoûte. Putain, je déteste les gens qui mâchent la bouche ouverte, là. Ça me dégoûte. Ok. Comme as. Non, attendez. Hop, on va faire comme ça en fait. Hop. Comme ça. J'ai l'impression d'être un con. Attendez.
Donc, imaginons, attendez, il nous faut de la redstone, de la redstone, redstone, ok? Non, je vais mettre à la place de... Parce que là, j'avais, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu n'usurperas point l'identité d'un autre, la viande de zombie, tu proscriras, envers les gobelins, tu ne seras pas raciste, tu ne tagras pas les biens publics. Je pense qu'on peut mettre, on peut retirer la règle. On pourrait mettre aussi, vous ne serez pas aussi beau qu'Actuan. Ça, c'est très gentil, monsieur Crazy Man. Oui. Maybe. Je peux vous prendre de la redstone parce que vous me rendez tout électrique. Il s'en fout. Oui. Désolé, je suis concentré quand j'écris. Désolé. Ça s'appelle une crazy clim. Mignon. Oui, non, mais pour le coup, c'était vraiment vrai. Est-ce que je peux vous prendre de la redstone, s'il vous plaît? Oui, faites-vous plaisir. Il y en a au commissariat. Merci. Oh là là, c'est crazy vent ce soir. Emma live, elle va venir sur le serveur ou pas? Oh non, lui demandez pas, c'est super chiant. Ah, je déteste ces gens qui font ça. Ne le dites pas. On verra bien si elle se connecte. On verra bien. Par contre, attendez, message important là. Vous tous là. Les gars, est-ce qu'il y a vraiment... dans mes 3100 viewers là, des trous du cul qui s'amusent à aller menacer de mort Emma, parce que vous êtes vraiment des trous du cul finis, hein. Et je rigole zéro là. Vous êtes vraiment des abrutis ceux qui font ça. Il y a des gens, ils sont partis voir Emma en DM et tout, et ils lui ont insulté sa mère juste parce que on a un RP où on joue, et vu que il y a le délire que Chris et Emma divorcent. Il y a des gens qui sont allés l'insulter. Mais vous êtes des trous du cul. Vous êtes pas construit normalement comme la plupart des gens. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais j'espère vraiment qu'il n'y a pas de ça chez moi. Hein. Parce que les gars, c'est un jeu. Hein. Rappelez-vous de ça. Hein. C'est un jeu. On est en mode rigolo, blague drôle, tu vois. Voilà, je préfère le dire. Mais si vraiment vous faites ça, vous êtes vraiment des... Vous êtes touchés coulés, quoi, les refs. On peut plus rien faire pour vous, hein. Et on vous souhaite pas tout le bonheur du monde. Par contre, tous les autres, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Réussissez tout dans votre vie. Et de toute façon, vous allez réussir tout dans votre vie. Je vois pas pourquoi... je cherchais quoi, à la base ? La redstone. Vous allez tout réussir dans votre vie, donc... Ce serait pas de soucis. Ouais, les minerais, boum boum. Ils sont où les minerais? Oh, ils sont là. 32, je pense que ça suffira pour les tests. Bref, ne faites pas ça. Vous rendez pas compte. Hein, genre. Quand elle nous a dit ça, j'étais sur le cul. Hein. Et j'ai dû m'en excuser parce que l'initiative vient quand même de moi de la recruter, donc. Tac, je vous mets de la musique. Après, vous savez que moi, j'écoute du rap, mais j'écoute surtout des années 80. En vrai, je pense que mon rôle de boomer, ça me va vraiment bien, parce que pour le coup, c'est vraiment moi. Genre, j'écoute vraiment que des années 80. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien des fois mettre du Michael Jackson et des trucs comme ça. Surtout du Michael Jackson. Notre boomer. Ouais, mais après, là, c'est la réalité, là. Alors, imaginez, là. Hop, hop, hop. Hop. Dégage-toi. Hop, hop, hop. Voilà, la redstone fait ça. Et donc, là, ça passerait comme ça. Ok. Ok. D'accord. Tac, 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 tac. Donc, ça passerait ici. Donc, ici, ensuite, ça fait comme ça. Voilà. Et là, après, il y a un mur constant. Enfin, bref, voilà. OK, donc, il nous faut un mur là aussi. OK. C'est comme à ce que ça se fait, en fait. Voilà. Ça, c'est la base de la tour. Oh, putain, je crois que j'étais en mode créatif. OK. Là, c'est l'eau.
Ok. Ah ouais, mais il nous faut une descente aussi, les refs. Je suis un peu un débile, moi. Je suis un... Hey. Comment je peux faire? Bah déjà, aller dormir serait pas mal, quoique. Au pire, pour descendre, on fait autre chose. Hein. Genre là, c'est pour monter. Mais en soi, il n'y a que nous qui pouvons monter. Non? En volant? Ouais, mais... Actuan et tout, s'ils montent, ils font comment? Tu vois, tu sais, je vais dire... Au pire, ils descendront sur les côtés, il y aura peut-être de l'eau, je sais pas. Personne n'a à monter dans la tour, c'est vrai. Hop. 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 Ok, bon, la crazy tour est en train de crazy monter, là. Ok. Ça va être carré. Ouais, en vrai, ça va être cool. Michael Jackson, le GOAT, passage qui peut s'ouvrir que de l'intérieur. De quoi tu parles? On verra. En vrai, il y a possibilité de faire plein de trucs, en vrai. Ok. De toute façon, là, ce cube-là... Merde. Hop. Ce cube, il faut le monter super haut. C'est lui qui va définir, je pense... C'est lui qui va définir la hauteur de la tour. On fait quelle hauteur? J'aurais pas, clairement pas assez. Allez, mais ton père, le tractopelle, là. J'étais pas là, il sait pas c'est quoi. Très haut, 40-50 blocs. Non, mais les gars, il faut que je voie la ville. Hein. Mais laisse-moi dormir, Zimbi. Emma parle des menaces. Ok. Putain, tellement force à elle, what the fuck. C'est tellement dur d'être une femme sur Internet avec tous les trous du cul et les bisous qu'il y a. Force à elle. Merci beaucoup, Kirby, pour les 2 euros. Merci beaucoup. Ok, bah si elle arrive, on lui fera un entraînement. Ok. Mais laisse-moi dormir, Zimbi. J'ai un gros tronc chez moi. Je dois le livrer. B-A-K-A. Je t'apprécie beaucoup. Merci de live. Tous les soirs, c'est cool. Merci beaucoup, Dream. Dream Bubule, merci beaucoup pour les 2 euros. Par contre, je vais pas stream tout le temps sur Minecraft. J'aimerais vraiment vous proposer autre chose. Il y a des stream horreur, ça c'est sûr. C'est là où je suis le plus fort, je pense. Et aussi sur Minecraft. Mais j'aimerais trouver d'autres jeux qui nous plaisent, qui pourraient être cool, voilà. Et qui pourraient être drôles et chill. Ça pourrait être stylé. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si jamais vous pouvez avoir des... vous avez un onglet dans mon Discord avec idées. Voilà, c'est écrit idées, vous pouvez y aller. Valorant, alors non, j'ai dit un truc drôle, mon ref. Son of the Forest, on est en train d'en parler avec les gars. On est aussi en train de parler de Poké MMO. On est en train d'en parler, c'est pour ça que je vais pas le faire solo, parce qu'il y a moyen qu'on le fasse à plusieurs. Fortnite, mais non, personne fait ça, frère. Donc je sais pas, voilà. Pour les jeux d'horreur encore, je pense savoir quel jeu faire, mais sinon d'autres jeux, je sais pas. J'aimerais bien un jeu solo qu'on fasse tous ensemble, mais je sais pas quoi. Genre c'est pour ça, Pokémon, ça aurait été stylé. Après, il y a des Pokémon modés. Je me dis que ça pourrait être cool. Genre la dernière fois, on avait fait un Pokémon Dragon Ball. Oh, qu'est-ce qui me tarde, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Les gars, 2 minutes, on peut en parler de cette dinguerie monumentale? Pour ceux qui sont pas au courant, il y a Budokai Tenkaichi 4...
qui a été annoncé. Et ça y est, il va sortir, genre, sur, sur Next Gen et tout. Les gars, j'étais sur le cul. Et genre, déjà que hier, le live, il était incroyable. Et que j'ai retenu mes larmes pendant tout le live. Et j'ai vu cette annonce 30 minutes après, je me suis effondré. C'est un jeu, c'est mon jeu de prédilection. Enfin, pas de prédilection, mais c'est un jeu que... Regardez, il est même affiché dans mon décor. Genre, il est en haut de la commode noire, vous le voyez peut-être pas. Mais... genre, ce jeu-là, Budokai Tenkaichi 2, Budokai Tenkaichi 3 et 4... Du coup, le 4 qui va sortir. Genre, c'est mon jeu de refuge. C'est quand j'allais pas bien, quand j'étais petit, ben, je jouais qu'à ça. Qu'à ça. Je suis trop... Il y a eu un moucheron qui était tellement près de mon œil... Qui en fait il me paraissait énorme. Salut Missouf. Je l'ai vu tellement près que j'ai eu peur et j'ai cru que c'était une abeille, un truc, je sais pas. J'ai flippé. Waouh. Bref. Qu'est-ce qu'ils font ? Ok, je vais chercher d'autres... il faut que j'aille chercher du coup d'autres... d'autres pierres comme ça, c'est des pierres des abîmes. Donc il me faut une grotte. Ah mais attends, il en a peut-être... Ah mais je vais pas voler chez les gens. Je vais pas voler chez les gens. Ouais non, il faut que je descende dans une cave, mais je sais pas où. Ah mais attendez, on va faire une pierre de coups, vous allez voir. On va faire une pierre de coups. On va chercher du diamant et en même temps, on va creuser cette merde. Ok. Hop. Beyond to Soul. Ouais, mais ça, c'est pas drôle, non ? Après, on pourrait faire des jeux de chill, mais je sais pas si ça vous plairait. J'ai peur de d'être trop à l'opposé... Moi j'aime bien rire et tout, mais des fois j'aime bien être posé aussi et tryhard aussi. C'est pour ça que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, vous inquiétez pas, on va le saigner ce fils de putain. Waouh! Je suis capable même de m'acheter une PS5 juste pour ça. Ok. Bref, hop. Je vais farm du diamant, ok. Et en même temps, on va prendre cette pierre là. Voilà, pierre des abîmes. Ok. Comme ça, on fait une pierre de coups. Et pas une pierre des habits. Aïe, 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 aïe. C'est dur. C'est dur. Ça vous fait rire, ça ? J'adore le faire. C'est drôle. Surtout quand tu rigoles, tu fais... arrêter le live après si... Quoi ? Comment ça ? Ah oui d'accord, ok, après la blague. J'avais pas compris. Eh hey, mais... le diamant il est mort ou quoi ? Parce qu'on on le cherche 6 pieds sous terre. J'entends le départ. Mais wesh. Aïe, comment ça te régler le chat, qu'est-ce qui se passe ? Faut que t'arrêtes ça, hein. T'es pas le stylo qui écrit le mieux de la trousse. Mec, t'as déconné.
Oh, le jump scare que je me suis pris là. Youpi. Merci beaucoup. Merci pour le resub, Sabolos. Comment tu vas? Ça fait trop nom de Pokémon, ça, Sabolos. Venez, on fait un Pokémon modé. J'en suis sûr qu'il existe un Pokémon modé One Piece ou des trucs comme ça. Dragon Ball, on l'a déjà fait, c'est un peu dommage. Emma arrive dans 5-10 minutes. Incroyable, les amis. Je suis une merde, je suis une giga merde, mais c'est pas grave, tranquille. Après, je sais pas ce qu'elle a prévu, elle a peut-être prévu de construire ou autre. Nous, on récupère des pierres d'abîme pour faire notre tour et en même temps, on charge du diamant, parce qu'on est obligé un peu de farmer, hein. Ok. Je regarde quand même s'il n'y a pas de diamant. Non. Tac. Il nous en faut beaucoup, hein. On va devoir en avoir vraiment beaucoup. Le dev Minecraft se dépelle devant le stream. Quoi? J'ai pas compris. Un jeu de rôle, c'est PH. Ouais, les refs. Faites un effort. Le diamant, par contre, wesh. Et le diamant, je pense que je vais le choper avec toucher de soi parce que je le trouve pas, il a l'air susceptible. À la base, les gars, c'est YouTube, hein, c'est pas Twitch. Je vous le dis. Déjà que sur YouTube, c'était moyen. Comment je m'autocasse de. Mais laisse-moi dormir, Zimpi. Tiens, comme ça, tu pourras t'acheter ta coke. D'ailleurs, tu en as passé à notre ami Pierre Palmade la dernière fois. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ref? D'où, pourquoi cette ref? Pourquoi d'un coup comme ça? Je sais pas. Merci beaucoup, Vaé. Merci beaucoup pour tes 2 euros. Wesh, il y a le train ou quoi ici là? Incroyable ça. Incroyable les blagues parce que ça a fait le bruit d'un rail. Ça a fait le bruit d'un wagon. Ouais. Ouais, bah la musique, hein, on va remettre la musique. Hein. Pierre des abîmes. Eh, j'espère que c'est pas les gobelins, les abîmes, parce que sinon je vais être recherché vu tout ce que je leur prends. Bah non, en fait. Bah non, les refs. Par contre, wesh, le diamant, par contre, vraiment, on peut discuter 2 secondes, là? Et wesh. Oh, je vais atterrir en Espagne? Les gars. Là, je le dis dans 6 carrés. J'allais le dire. Je vous jure que j'allais le dire. J'allais dire dans 6 carrés, je trouve du diamant. J'allais le dire. Puis la merde. Un petit filon de chiottes là. Nul à chier, ça sert à rien. Hop. Ah, la redstone aussi, ça pourrait être la drogue. Hop. Alors, pour ceux qui arrivent, non, on farme pas du diamant. On farme de la pierre, là, que je suis en train... Oh. Ouais.
Eh, c'est Chris ou quoi j'ai une chance de cocu. Aïe, 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 mets-toi pas dans la merde, frère. Mets-toi pas dans la merde. Ferme ta gueule, des fois. Ferme ta gueule, gros. Vraiment. Non, venez, on se met tous d'accord. Venez, on se met tous d'accord. On fait un pacte. Mais laisse-moi dormir, Zimpi. Regarde le chat. Mais oui, vous faites que rigoler. Le poireau avec tes blagues, mon ref. Je rigole, JTMBB. Merci beaucoup pour tes 2 euros. Je sais pas pourquoi je suis parti dans cette voie-là. Merci beaucoup pour tes 2 euros, Galad. T'es dans une boucle infernale, faut stopper ça. Non, ouais, ouais. Tweet. Quoi ? Si jamais ce tweet passe dans la TL, monsieur Crazyman, j'ai plein de pierres, des abîmes pour vous. Ok, bon, let's go. On y va. On va chercher les pierres des abîmes. Hop. Mais c'est où la sortie ? En retard, je crois. Moi, avoir musique CD dans le club de Lil Crazy pour faire une version log sans bruit de fond STP. Ben non, mais ça je peux pas te le filer. Faudra demander à Théo. Merci beaucoup pour le sub, Alex. Merci énormément. Pour ton prime. Ok. Elle est où, Foxy ? Peut-être chez elle. Eh wesh, elle est où ? Mais wesh! Je suis en train de péter un plomb là! Aïe! Mais elle est où? Eh, vous êtes en état d'arrestation, les gobelins, là. Où qu'elle est, Foxy ? Hop. Elle est là-bas. Ta-la-la-la-la-la ! Salut, j'ai tout mis devant chez vous, du coup, si vous voulez, j'ai mis un coffre. D'accord, ah, oh, merci beaucoup. Voilà. Merci. Da-da-da-da-da-da. Tu te fous de ma gueule, là, Foxy. Oh, ma ref. Allô ? Non, elle parlait d'en haut, je présume. Ah non, elle parlait de la tour. Elle parlait de la tour, je pense. Elle parlait de la tour, hein ? Il est où le coffre ? Putain ! Oh, j'ai trouvé le coffre. J'ai trouvé le coffre. Mon précieux. Wesh.
C'est quoi la tour nulle à chier? Bah, c'est celle que tu vas aller discuter avec laquelle tu vas aller discuter chez Gotaga. Hop. Non, mais tu parles pas mal de ma tour. Laisse-moi dormir, c'est fou quoi. Boîte à flop, un big flop et au lit 2 Floposaurus Rex 3, le Crazy bah, Flop 4, le Schtroumpf Flopper 5 Rafale. Tout ce message est destiné à flop au cas où. D'accord, bah t'as vraiment un flop, j'ai pas compris. Mais merci pour tes 2 euros, Rêve. Il s'appelle Dream. Tac, tac, tac. Hop, 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 là. Comment ça t'y va ou quoi? Est-ce qu'on l'a fait vraiment carré comme ça, là, cette tour? Parce que je trouve que c'est un peu carré, quoi. C'est un petit peu carré dans l'axe. Que des blagounettes. Mais en même temps, je suis un peu obligé, donc. Hey, d'où t'arrives comme ça en faisant... Moi aussi, je sais faire. On va dod. Il y a des monstres à proximité. On va dodo. Wesh, ça s'est mis sur quoi là? Pourquoi ça a changé de scène? Par un cube de magma? Comment il a fait pour mourir dans un cube de magma? Comment il a fait? Pourquoi il est dans le Nether? C'est un mob. Ah oui, d'accord, ok. Je croyais que c'était vraiment le cube, tu sais, le cube de magma, quoi. Putain, il est déjà 20h. Ah, mais ça fait carré de fou, là. Non ? Ça fait ultra carré, quand même, hein. On dirait une tour. Ah, une tour, tu voulais dire. Ouais. C'est une gigatour. Hein. Bien droite, bien raide. C'est une gigatour, quoi. Mais laisse-moi dormir, Zampi. C'est l'histoire de Crazy Man qui prend sa Crazy Moto en direction de la Crazy Cave et ça fait Merci beaucoup pour tes 5 euros. Crazy Mobile, merci beaucoup. Ça me fume. J'aimerais bien la monter cette tour quand même. Pour qu'elle soit plus haute. Il faudrait que je me pose tout en haut de cette tour là. Mais des reliefs, ça fera moins carré. Ouais, mais comment? Comment je fais des reliefs? Hop, bah je vais encore la monter. Hein. Hop.
Hop. Oula. Oula. Oula, mon shader. Ça va, mon shader? Je te sens un peu fébrile, là. Mon shader qui pète un plomb, hein. Mon shader ou quoi, là? C'est qui? Oh putain, c'est Actuan. Le C, tu vas le faire comment? En commençant par le haut et en m'arrêtant vers le bas. Fais F3V. C'est quoi des tronçons? C'est quoi les tronçons? Les chunks, mais c'est pas assez, c'est G. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? C'est quand même haut là. Ou est-ce qu'on continue? Encore plus haut. 20 en plus, putain, mais dosé aussi, non? Hop. Hop. Je sens que ça va être nul, je sais pas pourquoi. Là, c'est bon, là, c'est assez haut, là. C'est assez haut ou pas? Stop, c'est bon. Merci beaucoup pour le sub. Je t'ai passé. Merci, là, viens. Merci beaucoup. Oui, c'est bien la hauteur. Premier degré, tu fais la tour en forme de sgeg? Non. Non, c'est pas un sgeg. Ok, maintenant, ce qui va être intéressant, le... Plus jamais je fais ça, en fait. Ce qui va être intéressant... Mais non, je fais pas ma le truc en forme de bite. Tu connais l'histoire de Flap? Non, et bien ça fait flap, 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 flap. Chah. Chah. Merci beaucoup pour tes 2 euros. Je sais même pas moi qui l'ai fait en plus, ça s'est arrêté tout seul, ça a bugué. Eh, c'est un giga flap. Si on échange une lettre, ça fait flop. Du coup, un flap. Vous êtes... Oh, le public. Le public, il est crazy ce soir. Faire des ronds dans Minecraft, là. Faire des ronds dans Minecraft tuto. Hop. Alors. Moi, je voudrais faire un petit rond, les gars. Voilà. Hein, ouais, ben bah, voilà. Exactement. Exactement. De combien le fait, là? De combien de diamètre le fait? Moi, je dis 1000. Ouais, 20? Ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Dix-neuf?
Non mais les gars, c'est une crazy, je veux dire, il en faut quand même quoi. ça m'a l'air bien, 17 c'est joli, on prend 17. On prend 17, c'est bon ? Oui. Allez, hop. On prend 17, là. Hop là, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup pour le sub, Louzarou. 6, 7, 8. Ok. Mais laissez-moi dormir. Après, c'est comme ça. Pour faire du relief, mets des escaliers, demi-dalles, vignes, boutons, chaînes en fer, changer un peu de type de pierre ou changer le type de pierre taillée. Allez, des crazy bisous. Crazy bisous, mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 2 euros, décorateur. Oh, le melon du type. Oh, le melon. Bouh. Le melon. Il faut que j'arrête, hein. Je suis en roue libre. Je suis désolé. Merci beaucoup pour tes 2 euros. Merci beaucoup. Oh là, non. Hier, j'ai été séché. Hein. J'ai été vraiment séché. Hein. Mais laissez-moi dormir, Zimpi. Mais wesh, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Pomme rouge, pomme verte, 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 pomme rouge, pomme verte. Bah bannez-moi ce connard. Bannez-le-moi, lui, là. Ça dégage fort. Une pomme rouge, pomme verte. Tiens, pomme ban. Hop. Tac. Hop là. Attendez, je vais regarder quand même. Donc. Ensuite, là, on fait un 1. Ok, ça part bien. Ouais. Ok, là, après, on décale encore de 3. Ok, ça part bien, là. Ok, on part comme ça. Ouais, wow, incroyable. Là, on refait 3. En fait, c'est que des 3, quoi. C'est les 3 petits cochons. Il n'y a même pas de blague, en fait. Il n'y a même plus d'effort, quoi. Ça. J'ai failli relâcher le... Je vous déteste. Oh, ça y est, je viens de comprendre. Je vous déteste, ça y est. Oh, mon Dieu, je vous déteste. En fait, j'avais... Ah non. En fait, vous n'êtes pas ma safe place. C'est mort. Vous êtes des crazy méchants. Un, deux. Mais il y a un problème là, mon ref. Un, deux. Ok. Ok. Donc là, on refait 3, les refs. Nous aussi, on t'aime. Ben voilà, ça, c'est des messages d'amour. Ça, c'est des messages qu'on aime beaucoup. Ici, c'est des messages qu'on adore. Hop. On est tous en zen. Ici, bienvenue au Minecraft ASMR. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petit ASMR Minecraft. Hop, c'est parti les amis. Baisse tes morts, fils de pute.
Michel Sardou. Hembook. Hembook. Tiki tiki. Tiki tiki ta. Tiki tiki. Elle a le regard qui tue. Tiki tiki ta. Diabète. Diabète. C'est mon métier, ouais. Si vous vous demandiez, c'est mon métier, ouais. Et j'ai un BTS. Hein. Enfin, d'ailleurs, non, je ne l'ai même pas, j'ai eu 8. Donc non, je n'ai pas de BTS. Mais laisse-moi dormir, Salah Rabré. Pardon ? Eh, calmez-vous par contre, hein, genre les dons là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Par contre, ça, vraiment, je n'accepte pas, en fait. Donc, on va arrêter de rigoler. Et on va faire du build. Build. Mais, ouais, non. Les gars, là, ça a fait rire que vous, là, par contre. Mais hop. Laisse-moi dormir, Zimpi. Salut, Raph, juste ce petit don pour te remercier. J'ai jamais eu autant le sourire depuis que l'aventure de Crazy a commencé et encore plus depuis que je t'ai découvert. Merci mille fois pour les moments que tu nous offres. Merci énormément. Merci pour les 5 balles. Ah, merci, merci Darkbane. Merci pour le message. Merci beaucoup. Raphaël, notre forgeron du bonheur. Mais cette phrase, elle est restée en tête. Hein. Elle est restée en tête. C'est Jay qui l'avait sortie. Et vraiment, elle est restée en tête. Quoi. Dormir, les ravages de la drogue, ne fumez pas les enfants. Comment ça? Eh, vous savez quoi? Hop, c'est bon, je suis en roue libre. Mike Jackson. Mike. Michael. Michael. Alors, oui, je la connais, hein. Je connais à peu près toutes les musiques, mais genre. Quand même, des... mettez des musiques que les gens connaissent, quoi. Wesh, wesh, Michael, s'il te plaît. Voilà! Ok, là... Alors, peut-être que vous connaissez pas, c'est un vieil album. C'est l'album Thriller. Mais... Enfin, je crois. Je sais plus. Voilà, ça, j'aime bien ça! Bien son nouvel album. Ouais, il sort. Il sort. J'ai pas de blague. Mais laisse-moi dormir, Zimpi. Ne me dis pas que tu préfères ces dons bizarres à mes étoiles super aides en décoration Crazy Étoile. Crazy bisous à tous espèces de forgerons du bonheur. Merci beaucoup, décorateur. Merci beaucoup. Non, en vrai, je vais le faire par contre, les trucs que tu m'as dit là, les boutons, les. Les escaliers et tout, je vais le faire, ouais. Ça fera un peu forteresse du Nether. Pas forteresse. Mieux que le rap. Mais en vrai, oui, je suis désolé. La pop, je trouve que c'est tellement mieux que le rap. Ok. Je fais une giga antenne. C'est pour capter l'attention.
Tac, 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 tac. Oh là, ça va vite, hein. Là, ça va vite. Là, vous arrivez plus à suivre, là. Ouh, là, c'est Crazy Flash ou... Bang, bang. Parce que je vais vite. Et Flash, c'est un héros qui va super vite. Vous l'avez ? Et vous, en tout cas, vous n'êtes pas des flashs, hein. Oh, ça fuse. Ça fuse. Et je dirais même, ça fustille. Ou même fuse 3, parce qu'on est sur Minecraft. Ferme ta gueule, gros. Ferme ta gueule, maintenant, OK ? C'est bon, là, stop. Même moi, j'en ai marre. C'est stop, maintenant, là. Hop. Hop. Plus fort encore, mais wesh. Oh là là, t'as le seum toi, parce que c'est du Michael Jackson. Ben tiens, regarde. Qui aurait du champignon du Nether? J'ai, je crois, mais j'en ai pas beaucoup, hein. Merci beaucoup pour le sub, Kageyama Kuro. Waouh, je l'ai dit one shot. Wouh. Oh, j'ai cru que j'avais pas les ailes. Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai crazy flippé ma race. Ouh. Ouh. On est d'accord, Dangerous, c'est le meilleur album de MJ. En vrai, je les aime tellement tous que je sais pas trop. Ma couleur préférée, le bleu perso. Et c'est Twitter, haha, tu connais pas ? Parfait, ça me va. Ok, bah, je lui amène ça en Crazy Man, c'est bon, on dit ça. Par contre, Michael Jackson, s'il te plaît, des musiques qui bougent. Voilà, Who is it? Ça, j'aime bien ça, le Who is it? Par contre, j'aimerais bien avoir Actuan, en fait. Eh oh, Actuan! T'en as un. Ouais, mais il les veut, donc bon. Je suis devant chez vous, monsieur Rafale. J'ai la voix? Ok. Et je pense que c'est un côté rassurant que tout le monde puisse passer. Bah ouais, oui, c'est un héros, il a pas à se cacher. Ah, bonjour. Salut. Bonjour, Chrisman. Vous aimez bien ma parabole? On dirait une parabole, ouais, clairement. C'est ce qu'on disait, et oui, justement, c'est pas mal pour l'instant. Ouais, c'est... Okay. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant... Ok. Raphaël, il est parti en formation. Du coup, hein, il m'a dit que... Ah, il voulait... Tu veux vous passer ça, apparemment. Ouais. Ah oui, bah merci. Bah vous le remercierez pour votre part, du coup. D'accord. Top. D'accord. Qu'est-ce que... Eh bien... Vous allez faire quoi? On va monter une bête du Nether.
Comment ça, quoi, enfin, pourquoi? Mais en fait, il y avait un cochon qui était assis dessus, une bête dans la lave. Il y a un cochon qui était assis dessus. J'ai passé le cochon à tabac et du coup, il reste une place libre avec le siège. Et il me faut apparemment un champignon sur le bâton. Donc comme ça, on va pouvoir monter la créature. Ok. Ok, ok. Putain, c'est cool. Ouais, par contre, j'ai tapé le cochon, j'espère juste que ses potes vont pas venir. Ah ouais. Normalement, vous avez un temps, vous devez attendre 10 minutes. Après, ils oublieront. Bah, j'espère qu'ils oublieront. Au revoir. Oh, mais bonne chance. Est-ce que vous savez si Rafale a une selle à tout hasard? Vous lui dites pas hein, que je suis rentré chez lui. Ouais, ok, ok, on dit rien. Ok, ok. Alors, du diamant, ça c'est à moi, gros crevard, hop. Quoi, Rafale, vous avez des objets? Quoi? Non, waouh, ah non, je parlais c'est de sel. Hop là, c'est... Non, waouh, gros, ouais, non. Jamais je ferais ça. Tenez, hop, il y a une sel. Il y a le règlement qui a été mis, interdit de voler, hein. Ouais, bien sûr. Par contre, là, la sel, c'est entre nous, hein. Hein, c'est... on fait un pacte, on dit rien, hein. C'est ouais, scellé, hein. Ouais, pas Rafale. Non, mais parce que c'est un délit, maintenant. Parce que c'est une sel. C'est une sel que je vous donnais, donc c'est scellé. Bravo. Décidément, votre humour fait bien réflexion. Ah, je suis désolée, j'essaie de vous encourager. Moi, c'est l'humour de Rafale. Okay, je suis friand de l'humour de Rafale. Crazy Man. Oui. En parlant de sel, est-ce que vous pouvez passer le message à Rafale? J'aimerais bien qu'il en mette une sur son dos aussi. Vous voulez monter Rafale? Ouais. Ok. C'est un peu personnel. Waouh. Et par contre... n'ayez pas trop de sel, parce que sinon, c'est mauvais pour la santé, apparemment. Merci, Crazy Man, pour... De rien. Je vais retrouver vos adresses. Vous inquiétez pas, hein, ça va être fait. Hein. Gna gna gna, je mets des sons, je me crois drôle. Allez-y, mais bien sûr, allez-y. Attention vous, je vous ai à l'œil. Je sais pas si c'est petit ou grand. J'arrive pas à me dire si c'est petit ou grand. Ouais, la voix et je vais remettre ma gueule. Par contre, on va un peu avancer parce qu'elle est longue cette musique à démarrer. Voilà. Who is it? Ok. Oh là là, il me tarde d'écouter du Michael Jackson en jouant à Budokai Tenkaichi 4. 4. Eh, le chiffre 4, c'est le chiffre le plus strong en fait, parce que. Obligé de l'annuler, celle-là, carrément. Obligé de l'annuler. Tu sais même pas parler, frère. Tu sais même pas parler. Fais un effort. Ça, c'est l'échec d'une vie. Hein. Ça, c'est l'échec d'une vie, les refs. Hein. Ok. Là, ici. Je vais faire une piste d'atterrissage. Ok ? Je vais faire une piste d'atterrissage. Fais-le avec d'autres blocs. Ouais, bah, je vais le faire avec de la terre.
Oui, c'est... Oh bah super. Il en a, Actuan, je vais lui en prendre vite fait. Oui, c'est... Hop. Tac. Bon, j'en aurais pas besoin d'autant. Hop. Fais un jet volant. Un crazy jet, quoi? Mais en vrai, on peut le faire un peu plus grand. Hein. Venez, on le fait à 19, hein, au lieu de 17. Hein. Venez, au lieu de le faire à 17, on fait 19. Hein. Tant pis. Hein. Parce qu'en fait, c'est un nombre impair qu'il me faut. Ta bite durcie ? Oui, énormément. Énormément, mon ref. Tu peux pas savoir à quel moment. Genre, j'adore cette ville. Tac. Hop. Hop. Les gars, j'ai envie d'aller au restaurant chinois. Vous pouvez pas savoir à quelle puissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bah, en fait, je suis con. J'ai juste à... Ouais, non, mais je suis débile. Hein. Bah, du coup, 21. On va faire 21. Ah, mais ça fait bizarre, 21. Je sais plus quoi faire. Que faire, les amis? Et 23, ça rend comment? En fait, j'aimerais bien faire des vitres. Et ici, vous voyez, c'est dégueulasse, là. 23? Mais 23, c'est parfait. Kawaii. Dix, onze. Tic-tac-tac-tac. Huit, neuf, dix et onze. Ok, on part sur trois. Ensuite, on descend de un pour partir sur trois. On repart sur trois. Là, on fait une couille dans le pâté. Hop. Et on repart sur 3. Puis là, on repart sur 3. Et puis là, par contre, on... Mais j'ai merdé, les refs. J'ai merdé, en fait. Et en plus, même pas vous m'arrêter, quoi. Bonne blague. Ah ouais, vous trouvez qu'elle était drôle? Salut, tu fais quoi? Je suis en train de faire une crazy tour. Parce qu'en fait, je vais faire des concerts. Ça peut durer très longtemps comme ça.
Non, je suis en train de faire une crazy tour pour crazy man et crazy woman. Woman. No woman who cry. Mais c'est ça en plus, c'est vraiment ça les paroles, je suis débile. Attendez, mais en fait, c'est juste un quoi. Ouais, hormis là. D'accord, cringe. Back air. Oop, app, oop. Ah non. 3. Une chanson qui envoie? C'est possible une chanson qui envoie? Michael Jackson? Voilà. Vous voulez qu'on mette les classiques après, genre Billie It, Billie Jean et tout? Jam aussi, putain, qu'est-ce qu'elle est incroyable. Do you remember? Je fais genre j'ai rien vu. Hein. Tu t'es loupé, tu t'es gouré. Mais comment ça? Mais non, regardez. Non, c'est bon. Mais non, les refs, c'est bon. Non, regardez, il y a le carré. Non, c'est OK. Hein. Mais non, il faut pas de décart, regarde. Non, c'est bon, les refs. Attendez, je me suis trompé là. Attendez, quelle merde. Crazy Man. Putain, il m'a fait peur. Oui. Ah oui, Crazy Man. On vous cherchait avec Foxy. Oui. Oh là là, vous l'avez ramené carrément ici? Oui. Elle est un peu en piteux état, mais on voulait savoir si vous aviez... Oh mon Dieu, que c'est dégueulasse. Par contre, c'est trop bien, drôle. C'est trop bien. Attends, la lave, il va tellement vite. Il est où le lac? Je sais plus. Oh non, il y a un lac de lave normalement parce que sinon il meurt. Ah oui, c'est là. Il est là. Ah, oh. Montrez-lui comment il va vite dans la lave. Wow. Vous voulez le tester, Crazy Man? Ah ouais, c'est trop bien. Aïe. Oh non, je vais où? Oh non. Je vais où? Droite. Oh putain. Oh là là, je voyais plus rien. C'est trop drôle. Crazy Man, il faut la Crazy Can. Tenez. Ouais. Hop. Mais wesh. C'est énervé. Il faudrait une étiquette pour le renommer. Ah, ça par contre j'ai pas. Bon bah il va mourir alors. Non, il va pas mourir. Ah bah si hein. Sans étiquette il va pas faire long feu hein. Parce qu'il est dans la lave. Non, arrêtez les blagues, laissez Raphaël les faire. Mais... Il va despawn, vraiment? Mais du coup, il faudra lui... Ouais, il faudrait trouver une étiquette, mais ouais, j'en ai pas du tout. Peut-être les gobelins, je sais pas. Ah, apparemment, il faut pêcher pour l'étiquette. Eh ben, je vais essayer de pêcher un peu. Il faut pêcher. Ok. Ok. Eh ben... On se fait une canne à pêche, Foxy, on part pêcher. Ok, ça marche. Objectif, étiquette. Et si jamais vous avez trop pêché, venez, on construit une église. Pouf.
c'est trop. Oh, et qu'est-ce que tu fous là, toi, ma ref? Ça va, tranquille? On se la met? Vas-y, viens, voilà, viens. Allez, hop. Ouais, je me suis trompé, du coup, hein. Où est-ce que je me suis trompé? Comment que c'est possible? C'est pas ça. Où est-ce que je me suis trompé? C'est là que je me suis trompé, hein. Ok. 3. Alors, 3. 1. 2. Donc, attendez, je vous ai dit. Ok. Donc là, c'est le 3. 1. 2. Ah, d'accord, mais c'est bon, en fait, je trouve fait. Mais comment je peux avoir bon ici et avoir faux là-bas? Donc là aussi, je me suis trompé, en fait. J'ai pas full compris, hein. Mais il y a une couille dans le potage. Ok. Oui, il y a crazy woman. J'aurais bien aimé avoir sa tenue là. What about a girl? What about? Hop. Oh là là, incroyable. Mais parce que je suis vraiment un homme, un vrai, quoi. Crazy Woman va avoir une place dans la tour. Ah oui, en gros, c'est pour nous. C'est pour nous deux. C'est pour nous deux. Oh, le fait de sauter comme ça et de se lâcher, genre, c'est ouf. Merci, Yo, pour le sub. Elle a une forme incroyable, ma tour. Moi, j'aime bien. Enfin, on voit que... En fait, c'est bien parce que vu que je suis un super-héros, tu sais, je suis quand même... Enfin, il faut que, voilà, je fasse régner la loi, quoi. Et du coup, là, avec cette tour, on voit bien la droiture de la loi, quoi. Nanana. Hop là. La loi est dure. La loi est très dure. La loi doit être ferme et très très dure. Et bien veineuse. Et bien venimeuse. Wow. Elle doit piquer, quoi. 1, 2, 3, 4. C'est toi le chat. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop, 1, 2, 3, milieu, 1, 2. Ouais, c'est ça en fait. Bam, hop là, Legends. 1, 2, 3, 4, et hop là. Et puis hop là, et là, c'est fini. Voilà.
C'est plus grand, là, j'aime bien, là. Ouais, c'est badass, c'est bec. C'est dur, hein. C'est dur. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On m'appelle, mais j'arrive. Ouais, je te laisse dormir. C'est tout spicy. Eh bien, tes souhaits, j'ai rien compris. Merci beaucoup pour tes 2 euros, en tout cas. Ah, oh putain, ça y est, j'ai compris. Oh là là, gros dégueulasse. Ta-da-da. J'ai pas flop, hein. C'est pas vrai, hein. Pourquoi? Ta-da-da-da. J'ai pas flop. Pourquoi vous dites ça? C'est pas vrai. Non, vous avez parce pas que fait. C'est pas comme si j'avais allumé la musique en haut en pensant que vous étiez en haut et en fait vous étiez descendu. Chris Vatch, je suis désolé. En fait, pour la petite histoire, j'avais récupéré ma corde de chef que j'avais laissée à la maison quand je suis parti dans les airs parce que c'est dangereux. Et ouais. En voulant fermer ma porte, bah, j'avais la corde de chef en main, j'ai loupé le bouton et du coup j'ai sonné sans faire exprès. Je suis désolé de vous avoir dérangé parce que vous étiez en plus en train de faire votre superbe tour. Donc je suis désolé, c'était une fausse alerte. Mais, bah, tant que vous êtes là. Je voulais savoir si vous aviez l'enchantement pour la canne à pêche qui est affinité aquatique, je crois. Un truc comme ça, qui aide à pêcher des trucs cool. Alors non, affinité aquatique, c'est... non, c'est chance de la mer que vous devez avoir. Mais non, chance de la mer. Ouais. Bon. Eh ben, pas grave. Merci quand même. Et pas chance de la merde, hein. Parce que ça... Ça me fume comment il se casse à chaque Ok, je remets Michael Jackson. Cette musique, elle est, il me semble qu'elle était dans Gardien de la Galaxie. Le 2. Je crois. Elle est là. Ouais, je crois. Ou le 1. Non, le 2. C'est sûr. Oh, si la tête de ma mère, que si tu m'appelles pour rien là. Il est où? Eh, je le chope, je le monte en l'air. Nanana. Ah, le bon. Non, me dis pas que t'as fait exprès encore. Non, j'ai pas fait exprès. Okay. Non, j'ai fait exprès de vous appeler. D'accord. Chrisman, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous savez s'il y a une ferme à expérience dans les environs? Une ferme à expérience? Non, je sais pas du tout. Mais c'était pas un truc, une ferme à XP en haut, là, qu'ils avaient des gobelins? En même temps que du trafic d'humains? Non, je crois pas. Parce okay. que là, le problème, c'est que... J'ai ma canne à pêche, j'ai vu dans les enchantements que niveau 30, je pouvais avoir chance dans la mer 2. Le grand problème, c'est que je suis... Il a dit merde. Pardon, continuez. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je disais que... Vous aimez bien la merde? Oh, putain. Oula. Bah... Mais quoi? Vous grattez le nez. Crazy Man. Ouais. Oui, ça gratte. Je disais, donc vous savez pas s'il y a une ferme à XP par là? Non, bah en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Bon. Bah, merci. Bon, bah, c'était pour ça que je vous appelais, je suis désolé. J'arrête. J'arrête à partir de maintenant de vous appeler pour la journée. Non, mais si vous... Ah, c'est quoi? C'est une tentative de suicide ou... Mais qu'est-ce qu'il fait?
Je sais pas du tout. Mais que fait du béton, non? Ah oui, je crois qu'elle fait du béton. Bon, ben c'est pas grave, on laisse béton. Est-ce alors. Que... Est-ce que vous seriez niveau 30 par tout hasard? Je suis niveau 30 sans le zéro. C'est pas en laissant un blanc que je vais augmenter de niveau. Ah, bon bah dommage. Bon bah très bien, merci. D'accord, bah bonne chance. Je vous laisse faire votre maison et je ne vous dérange plus, promis. D'accord. Croix de fer, si je mens, je vais en crise enfer. Ouais, d'accord. Eh bien, écoutez, peut-être que... Ouais, non. J'ai pas de blague. Des fois, c'est mieux de ne rien dire, justement. D'accord. Ok. Bon, au revoir, Crazy Man. Eh bien, à plus dans le bus. Dans le Crazy Bus. Oui, oui. Le bus comme dans Fortnite. Oui. Ça y est. C'est Fortnite. Les top 1 et tout. Oui. Le floss. Attendez. Hop, comment on fait déjà le floss, je sais plus. Moi je sais comment on le fait. Je peux faire le floss? Ah non, c'est pas ça. Allez-y. Ah oui, voilà, c'est ça. Cringe, hein. Il est cringe. Vous connaissez, c'est la danse Fortnite aussi. C'est la danse de Zafil, ça. Oui, c'est surtout la danse de Zafil. Vous êtes amoureux de Zafil? Avant d'être la danse de Zafil, c'était la danse Fortnite. Waouh. Waouh, c'est cringe. Waouh. Je vais vous laisser. Bon, d'accord. Hein? Bon, ben je vous lèche. Ouh. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Chris Man. Il a transmis la danse. Oui, je vous lèche, oui, c'est la blague. C'est ça qui est drôle. Bon, ben je vous lèche, hein. Hop. Ça y est, maintenant j'ai dans la tête à cause de lui là. Ok, ouais, c'est super grand là. Baka. Bon, on s'en fout, c'est moche, mais c'est juste pour comprendre que c'est là le milieu, quoi. Ok ? Voilà. Mais c'est pas beau ! C'est bon, les refs, là. Je suis insupportable. Ok. Oh les gars, j'ai faim. Ça doit y jouer, mais je sens aussi le BK qui est juste là, en fait. Hop. Ok. Ta voix, mais c'est bon, je l'ai là, ma voix. Elle est très bien, ma voix. Fais un dom STP. Comme ça, tu seras un vrai bacard. Vas-y. Mais attendez, il faudrait que je fasse une... Hop. Wesh, il est avec Akon ou quoi, Michael Jackson?
Je les pré-shot. Je les pré-shot. C'est très bien ça. Tu vas faire avec des vitres ? Smack that on the floor, smack that gun with some move. Fais un dôme en vitre grise. Je vais quand même faire 3 de hauteur pour cacher ce qu'il y a dedans. Ok les refs ? Un bon 3 de hauteur et après là le dôme il le fera, ok ? Tu en es où de tes vidéos YouTube ? Trouver un mec pour faire les miniatures ? Ah putain ouais, il faudrait que je fasse les miniatures pour les rediffs. Et après il faut que je trouve un mec freelance aussi pour faire des montages YouTube. Je trouve que vraiment les années 80, c'est la meilleure année. Je pense pas que c'est la meilleure année. Mais ouais, vraiment, c'était incroyable. Avant. Hop. Tout ça, ça sera du verre. Hop. Là, en fait, j'aimerais bien que ce soit du verre. Non ? Ok. Est-ce que je fais une seule piste d'atterrissage ou j'en fais plusieurs ? J'en fais qu'une, on est d'accord, hein ? Quatre ? Ouais, non, une. Par contre, j'aurais pu ramener la tailleuse de pierre. Hop. Allez, hop. Oh là là, je vais y arriver, hein. Après, est-ce qu'elle va y arriver, Emma ? Bah moi déjà j'y arrive pas donc moi j'y arrive mais est-ce que Emma va y arriver quoi? Emma va galérer. Non, je pense pas. Je pense qu'elle va prendre le pli. Elle va y arriver. Hop. J'aimerais bien poser le tailleur. Oh, je pense que quand ma petite amie sera en repos là, on va se faire un truc chinois là, parce que enfin un resto, tu sais, comment on appelle ça ? À volonté là. Aidez-moi par pitié. Ouais, c'est ça, un resto chinois. Fais des feux d'artifice. Ouais, j'en ai, t'inquiète. Il y a un souci là aussi. Attendez, il y a un problème là. Leave me alone. Alone.
Il y a un souci là. L'angle, non. Ah, oh, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. C'est un mélange d'un accent suisse et d'un bouchage de nez, genre un rhume. Tac, 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 tac. C'est comme ça, en fait. Ok. Les meilleurs longs. Les meilleurs longs. Ok. Ok. Là, j'aime bien. Ok. Alors, ces deux-là, je vais les laisser ouverts. Mais ceux-là, je pense que je vais les fermer. Hop. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Mais un C sur la piste. Non, mais la piste, en fait, si tu veux, là. Là, il y aura déjà un C, là, en fait. Il faut que je fasse tout le reste. Il faut que je fasse tout le reste, ouais. Les meilleurs longs. Il se passe quoi? Rien, on fait la crazy tour de Crazy Man. Ok. En fait, j'aimerais bien créer des salles. Tu vois, là, par exemple, ça pourrait être une chambre. Là, ça pourrait être la salle des verrues pour faire les potions. Là, ça pourrait être ma chambre à moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as donné envie d'écouter Michael Jackson. Mais les gars, Michael Jackson, c'est incroyable. Hein. Oh, l'énergie et tout qu'il donne à chaque fois, c'est fou. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Oh, il avait déjà une petite... Tu es le petit dessus, genre... Oui, justement, on a une canapé. Crazy Man! Bonjour. Je suis désolé, je vous avais promis de ne plus vous appeler. Oui. Je crois que vous avez encore la canne à pêche, non? Non. Ah. Je suis désolé, alors je vous ai appelé non, pour rien. Non, je vous l'avais rendu. Mais non. Vraiment? Non, vraiment, je l'ai pas. Bonjour. Mais je l'ai pas non plus. Chris. Bonjour, Crazy Man. Oh. Comment ça va, Chris? Ça va super bien, et vous? Crazy Man. Eh ben, ça va super bien. Ça va super bien. Aussi, Chris. Eh ben, super, alors, tout va bien. Eh ben, d'accord, alors, tout va bien. C'est bon. Je vous laisse, j'arrive, Chris, en une minute. Je ramène la canne à pêche. Tu veux l'appeler comment? Bah, je sais pas, c'est Monsieur Actuan qui va trouver un nom, mais... Mais en plus, c'est trop marrant quand on a une canne à pêche, il va super vite sur la lave. Je suis choqué, je connaissais pas cet animal. Tac, tac. On en parle qu'il a un casque en azurite. Il l'avait avant ou pas? Je sais plus s'il l'avait. Cette tension, bah en fait, lui il sait pas que moi je sais. Du coup, c'est drôle. Oui, il l'avait. Ok, mauvaise ambiance avec Chris.
Ouais, ça fait déjà une heure que je bombarde là. Ok. Comment je pourrais faire? Est-ce que je coupe en deux là juste? Je coupe comme ça là? Bah non. Est-ce que je fais comme ça? Et on va danser un slow là. Alors, celle-là elle est super bien, mais pareil, elle met un tout petit peu de temps à démarrer. Diagonal web. En fait, tu sais quoi? Bah non, je sais pas quoi, ouais. Fais un demi-cercle. Un demi-cercle, mais ça va être super chiant à meubler après. Non, comme ça, c'est yimbe. Comme ça, tu vois, genre là, on sort, on va pour décoller et on voit, tu vois, c'est grand, tu vois, ça s'ouvre. Alors que là, ça se referme parce qu'on est en intimité, tu vois. Très bizarre, du coup, ça renforce le truc. Je vais faire la même. Ok, ça, c'est une chambre. Voilà. Là, il y a les deux chambres. Et ici, ça sera les verrues, les plantes, etc. quoi. Ok ? Hop. Tac. Ça, c'est une des musiques qu'il aurait dû sortir s'il n'était pas mort. Il me semble que c'est une musique qu'il a sortie post-mortem. Enfin, qu'il avait dans ses dossiers, quoi. Mets des fenêtres dans les chambres, ça fait prison. Mais les gars, on est Batman, hein, on n'est pas les Sims 4. Hein. Je mets vraiment des fenêtres. Allez, si tu veux, regarde, je peux faire ça. Voilà, c'est bon, on est moins en prison là. Je mettrai des barreaux. Oh, comment j'ai réussi à pas mourir là? Comment j'ai réussi à pas mourir? Wesh, chute amortie là? Vraiment? C'est la chute amortie qui m'a fait ça? Incroyable. Merci les bottes. Ah ben là, ouais. Ok, je vais m'occuper de ça alors. Hop. Hop là. Ok. Non, là, je vais laisser ouvert. Hop, et là, je vais fermer. Hop. Parfait. Ok. C'est quoi salle des coffres? La salle des coffres, en gros, elle est là. Elle est ici. C'est là où il y aura tous les trucs pour faire les potions, les bails comme ça, quoi. Voilà, là, ce sera par exemple la chambre à Emma, et là, ce sera ma chambre. Ok.
Est-ce qu'on fait un toit ou non? Elle pourra même, je pense qu'on va faire un truc pour qu'elle puisse la modéliser elle-même, la chambre. Ok? On va faire comme ça, ouais. Regardez. Hop. Ok. Tac. Comme ça, elle pourra mettre des blocs. Elle pourra mettre des blocs. Elle pourra s'amuser à la décorer, c'est cool. Hop. 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 Les gars, les modos, je sais pas si vous êtes là, mais bannissez s'il vous plaît les spoils, parce que ça va me gaver. Rien que là, je viens de spoil et du coup, j'ai checké, j'ai vu que c'était vrai, j'ai fait ah. Donc, ça m'énerve. S'il vous plaît, arrêtez de spoil, je m'en bats les couilles. Parce que là, du coup, maintenant que vous me l'avez dit, maintenant que vous me l'avez dit, oui, je vois que Actuan et Foxy sont chez moi, oui. Mais maintenant que vous me l'avez dit, j'ai pas le droit d'intervenir, sinon ce serait de la triche. Bande de gros casse-couilles. Hop! Hop. Il y a un moment donné, je pense que vous allez comprendre hein, que le RP, il faut pas spoil en fait. J'ai un espoir que vous compreniez et que vous soyez pas aussi bête. Mais putain, c'est rare. Bah, de toute façon, je vais être obligé d'y aller pour chercher de la pierre, donc je vais devoir passer devant. Quoique... Hop. Ok. Il faut de la pierre, donc on va refaire un peu. Oui, le dôme en verre, ouais, ça sera le cas. Hop. Alors attendez. J'ai pas du bois là ? Hop. Hop, liboum. Comme ça, vous voyez tout. Arrêtez avec le watch time, uptime et tout. Je vais les désactiver de toute façon. Parce que ça sert à rien.
Merci pour les torches. Pas de soucis, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Que des blagues de mon tonton que personne n'aime au repas de famille. Trop nul qu'il n'y ait rien d'intéressant chez Rafale. Comment ça, mon ref? Si long. Répond à ce tweet douteux venant du chef de la police qui est pas censé rentrer par effraction chez quelqu'un. Je m'en fous, j'ai rien à cacher en vrai. Enfin, si, j'ai beaucoup de choses à cacher, mais du coup, elles sont cachées les choses. J'ai pas été assez con pour... À quoi il joue? Oh, comment j'ai écrit douteux? Je l'ai vraiment écrit comme ça? Waouh, non mais ça va plus, hein. Je suis trop fatigué, je pense. Waouh, je suis désolé. Hein. Je crois que j'ai vraiment faim. Hein. Je crois que j'ai vraiment faim, peut-être d'ailleurs, des fois on fait des horaires trop bêtes, des erreurs trop bêtes comme ça, mais ouais, grave. Si t'as faim, va manger. J'attends que j'ai testé vos maisons. Attends, comment on dit tombe des nues? Ok. Ah, je pensais pas que c'était le mot nu en fait. Allez, allez. Ok, d'accord. Je pensais pas que ça se disait comme ça. Tac. Hop, hop, hop. Je finis ça et après, on voit ce qu'on fait. Ah, vous allez voir, j'ai une idée.
J'ai une bonne petite idée là. Hop, regardez. En fait, je vais faire ça, tac, tac. Hop. Ah non! Genre là, en fait, ici, il va y avoir un bureau, et là, en fait, il va y avoir une... un genre de... de barrière, tu sais, comme une mezzanine un peu, tu vois le délire ou pas? Une passerelle, ouais, en gros. Voilà. Je suis une merde. Hop. Ah ! Torche en bas. Tu fais pas une salle d'enchantement? Bah non, on en a pas besoin. Ce qu'il nous faut, c'est surtout une salle pour faire les potions et avoir notre crazy équipement, etc. quoi. Je quitte la ville pour ce soir, bisous. Bisous. Hop là. Nickel. Ok. Bon, ben il y aura plus que le verre à faire. Et c'est good. Je vais mettre des torches un peu partout. Hop. Comme ça au moins, pas de soucis. Tu peux faire une visite? Frère, tu viens de le voir là. Ça y est. Subtilise. Mais ouais, après je vais faire une... je vais faire un escalier ici et il va monter sur l'estrade là. Et là ici, je sais pas si je mets un... si je couvre. Ah si, quand même, c'est une salle enchantée. Je couvre, on est d'accord. Hein. Mais c'est quoi ça? Mais lis le titre du Twitch, connard! Pardon, excusez-moi. Sang-froid. J'ai perdu mon sang-froid, mon ref. Excuse-moi. J'ai perdu mon sang-froid. Dom, TDR. Non, t'as le droit. Là je mets rien du coup, parce que là ça va être tout ce qui est potion. Tu sais, c'est un peu caché quand même. Attendez, j'ai peut-être une idée en fait. Je vais peut-être foutre du bois. Ouais, je vais peut-être foutre du bois. Et en fait, ici, ce sera une petite salle de détente en haut. Au-dessus. Ok. Under l'agression. Les vitamines, ben oui, on devrait les faire. Mais voilà. En gros, ça donne ça. Voilà. Et après, en bas, là, il faut que je monte encore. Il faut que je monte. Il y a 4 trucs. Enfin, bref. Hop.
Parfait. Ok. Eh ben nickel. Tac. Ouh. Aïe. Hop là. Mince, même moi je sais pas écrire. T'es allé chercher les élytras par les mains. Ouais, ouais, j'ai déjà tout. Excuse-moi, Rafale, je préfère voir. Avoir ton autorisation, puis j'utilisais tes rediffusions pour m'entraîner au montage. Mais mec, vas-y. Fonce. Fonce, fonce. T'avais même pas besoin de me demander là. Fais une piste d'hélicoptère, mais. Pourquoi je suis en élytra? Je vole, frère. Je vais pas avoir un hélicoptère. Je m'en bats les couilles d'hélicoptère. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour les 100 bits, Pinouille. Merci, oh, merci Ronflex aussi pour les 100 bits. Bon. Eh bien. Je pense que je vais pas tarder. Tac. Pour une fois que je quitte un peu plus tôt. Ah. J'espère en vrai que vous avez kiffé Michael Jackson. Moi j'aime trop les musiques d'années 80 comme ça et tout.